Oui, elle est là, je ne sais pas pourquoi. Alors, allons-y pour l'appel. Alors, Valérie Lecomte. Présent. Hugues Brissot. Présent. Sarah Béag. Présent. Pascal Martin. Présent. Sylvie Bocobza, elle devrait arriver dans quelques instants. Didier Mézières. Sabine Jamais absente pour voir à Valérie Lecomte, Christophe Vandenec est absent pour voir à Michel Fraioli, Dominique Nocture, Daniel Dess absent pour voir à Sarah Béag, Michel Fraioli, Roger Adot, Grâce Ribeiro absente pour voir à Pascal Martin, Sylvain Benayoun absent pour l'instant, pas de nouvelles, il va peut-être arriver, Karine Gauthier-Génois absente pour voir à Olivier Dupont, Laurent Graft, Radia Tiglit, Yvan Dauer, absent pour voir à Anne Sotti. Anne Sotti, Grégory Philippe, absent, pas de pouvoir. Pouvoir à qui? Pouvoir à Roger Adot. Sophie Baquet, absent de pouvoir à Hugues Brissot. Jacques Bayeux, absent pour voir à Radia Tiglit. Anna Maya Cheta, pas de nouvelles. Gilles Devaux, absent pour voir à Sylvie Bocobza, qui devra arriver, la voilà. Donc, on te note présente. Clarisse Paulet, absente pour voir à Didier Mézières. Laurence Bernard, Fabien Bignolet et Aude Misnard, présents. Merci. Alors, le secrétaire de séance, qui on avait eu la dernière fois? C'était Laurence Bernard. Et dans le, vous avez le petit planning qui va bien. Aussi involontaire immédiat. Didier. Didier Mézières, personne n'insiste pour avoir le poste. Didier, secrétaire de séance, merci à tous. Alors, approbation du procès verbal de la séance du 30 mars, est-ce qu'il y a des commentaires? Dominique, oui. Oui, j'ai vu ton mail, donc tu étais notée absente, mais tu étais présente, ça sera rectifié. D'autres commentaires? Je porte aux voix. Qui approuve le procès verbal de la séance précédente? Je vous fais travailler. Qui approuve? Qui s'abstient? Merci. Pas de contre? Merci. Sylvain, présent. Alors, les décisions. Décision numéro 20 du 17 mars. Demande d'une subvention de 100 000 euros au titre du dispositif équipement de proximité au Conseil régional d'Île-de-France dans le cadre de la construction d'un dojo, dont le coût prévisionnel des travaux est estimé à 1 688 596 euros. Le montant subventionnable est de 500 000 euros. Demandant 100 000 euros, le taux de subvention est de 20%. Décision numéro 21 du 17 mars, subvention de 422 149 euros auprès du conseil départemental dans le cadre de la construction du dojo, dont le coût prévisionnel n'a pas changé, toujours un 688 596 hors taxe, soit un taux de subvention demandé de 25%. Décision numéro 22 du 22 mars, actualisation des tarifs d'occupation du domaine public, ajout d'un tarif pour les terrasses des commerçants à 30 euros le mètre linéaire par an. Décision numéro 23 du 23 mars, subvention de 8 872,96 € auprès du Conseil départemental du Val-d'Oise pour la modernisation des équipements de la police pluricommunale pour un coût prévisionnel des acquisitions de 4 788,12 € hors taxe et un montant subventionnable de 35 491,83 € hors taxe, soit un taux de subvention sollicité de 25%. Décision numéro 24 du 23 mars, sollicitation d'une subvention de 14 156,12 € au titre du dispositif de soutien toujours à l'équipement des forces de sécurité auprès du Conseil régional d'Île-de-France pour la modernisation des équipements et un coût prévisionnel des acquisitions de 47 188,12 €, taux de subvention sollicité de 30%. Décision numéro 25 du 27 mars, signature d'un avenant au contrat de maintenance relatif aux produits PZEN afin d'ajouter le multi-accueil dans la solution proposée pour un montant annuel de 180 euros hors taxe et 216 euros TTC, auquel il faut ajouter le montant annuel du forfait de transaction, 74,88 € TTC.
Décision numéro 26 du 24 mars, contrat de service signé pour les produits Arpège Concerto afin de prendre en compte l'ajout du multi-accueil dans la solution proposée pour un montant annuel de 619 euros TTC, auquel on ajoute le montant du service de maintenance et la mise en place de l'interface pour 528 euros TTC. Décision numéro 27 du 27 mars, subvention demandée de 5000 euros auprès du Conseil départemental pour l'aide à la structuration des établissements d'enseignement artistique en musique en faveur de notre école municipale de musique Camille Saint-Saëns, dont les dépenses de fonctionnement pour l'année 2022 s'élèvent à 285 767,96 euros. Décision numéro 28. Oui. C'est gardez vos questions pour les questions diverses à la fin. Là, je donne les décisions. On débattra après si vous voulez. On le note pour la fin. Décision numéro 28 du 28 mars. Séjour d'été 2023 pour les enfants de 3 à 5 ans avec la société ODCVL. Le montant total du séjour fermé nature sera de 4 620 euros TTC pour 5 jours et 4 nuits du 24 au 28 juillet en pension complète. Le thème du séjour étant passion nature. Les activités proposées sont diverses, une séance d'équitation, un atelier cuir, un atelier laine ou un atelier fabrication de beurre, une séance mini-ferme. Les familles paieront la somme de 50 euros en sus du prix habituel des journées à l'accueil de loisirs si l'enfant participe au séjour. Décision numéro 29 du 5 avril. Signature d'un devis supplémentaire concernant les travaux de requalification de la friche urbaine 21 rue de Paris à Viarmes. Lot 3 couverture, au vu de la nécessité, après travaux de dégagement bien sûr, la nécessité de changer l'intégralité des chevrons pour un montant de 9 848 euros hors taxe. Décision numéro 30 du 19 avril, suppression de la régie de recettes pour l'encaissement des droits de place et le remboursement en électricité du marché et des forains, au vu de la nécessité de réduire le nombre de régies à la demande du comptable public. Décision numéro 31 du 20 avril, signature d'un contrat d'assurance cyber-risque avec la société Iscox, dont le montant de la prime annuelle est de 1060,03 euros, toutes taxes comprises, et de 817,03 euros TTC pour la période souscrite, du 5 avril 2023 au 31-12 de la même année. Décision numéro 32 du 24 avril, signature d'un contrat pour lutter contre les nuisibles sur différents sites de la ville, tels que le restaurant scolaire, le multi-accueil, l'accueil de loisirs sans hébergement, avec la société Ecolab pour un montant annuel de 1 850 euros TTC. Décision numéro 33 du 24 avril, signature d'une convention relative à l'intervention de l'association Valar Carnelis sur le site du 21 rue de Paris pour procéder à des recherches archéologiques dans les caves recensées. Décision numéro 34 du 24 avril, signature d'un marché de travaux pour la réfection de la rue Pierre et Marie Curie avec la société Cocherie Île-de-France pour un montant de 489 903,29 € hors taxe, soit 587 883,95 toutes taxes comprises. Décision numéro 35 du 26 avril, signature d'un avenant numéro 1 à la convention relative à la prolongation de l'intervention d'un chantier participatif sur le site du 21 rue de Paris jusqu'au 31 décembre 2024. Il s'agit de l'association Intramuros. Décision numéro 36 du 2 mai, signature d'un avenant relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un équipement sportif à Viarmes. Il s'agit du gymnase. Le forfait de rémunération de la maîtrise d'œuvre fixé dans l'acte d'engagement du marché de base doit évoluer en fonction du coût prévisionnel des travaux qui est passé de 3 740 hors taxe à 5 053 742 euros hors taxe sur 4 années de 2019 à 2023. Le montant de cet avenant s'élève donc à 214 717 56 hors taxe, soit 257 661 euros 07 toutes taxes comprises, représentant 35,05% du montant initial du marché de maîtrise d'œuvre, et ce qui porte le montant global du marché à 994 017,07 euros, toutes taxes comprises. Décision numéro 37 du 3 mai, signature d'un contrat de location d'un appartement de 90 mètres carrés situé au 6 rue Genler à un agent communal pour un loyer mensuel de 625 euros, auquel on ajoute 125 euros de charges pour l'eau et le gaz. Décision numéro 38 du 15 mai, signature d'un avenant relatif au marché de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, tranche 1, lot 5, concernant les vitraux,
au vu de la nécessité d'installer une bavette non prévue au marché de base. Le montant de cet avenant s'élève à 960 € TTC, soit 3,26% du marché, du montant initial du marché, portant ainsi le marché global de ce lot à 30 384 € TTC. Voilà pour les décisions qui ont été prises depuis notre dernier conseil. Je rentre dans l'ordre du jour avec une point finance et la décision modificative numéro 1. Vous avez les documents et l'annexe qui vous ont été distribués. Est-ce que vous avez l'annexe, enfin l'annexe numéro 1 ? Vous l'avez ? C'est celle-là ? Oui ? Alors, les fonctionnements, donc l'évolution des charges à caractère général, le célèbre chapitre 011, toutes les dépenses courantes de la vie du budget, s'élève à plus 81 024 €, principalement affecté par un problème d'eau. Lors du vote du budget, nous avions prévu une baisse des dépenses d'eau en raison de réparations réalisées et des demandes de remboursement effectuées auprès de la SOR suite à deux fuites très importantes, une à l'école élémentaire et l'autre au Hêtre-Pourpre. La somme de 21 000 € a déjà été remboursée par la SOR pour les fuites des compteurs d'école élémentaire et nous sommes en attente du remboursement pour la fuite du Hêtre-Pourpre. Alors, ces avoirs ne font pas l'objet d'une réduction de mandat, mais de l'émission de titres. Donc, ça va être une recette supplémentaire, mais pas du tout une baisse des dépenses. Donc, au final, nous sommes remboursés, mais sur des lignes différentes. Il faut donc adapter cette ligne de dépenses, en face de laquelle nous aurons donc une recette qui s'élève à 44 000 €. Vous voyez l'impact de fuite quand elles sont sous des trottoirs, sous des routes où elles ne sont pas détectées. Les semaines passent et la fuite s'aggrave. Et les compteurs intelligents, en ce qui concerne l'eau, il y a eu beaucoup de débats sur les compteurs intelligents pour l'électricité. Je pense que pour l'eau, ce sera quelque chose quand même de très très intéressant parce que dès que votre compteur deviendra fou, parce qu'une fuite s'est déclarée quelque part, et notamment pour ce qui vous concerne après le compteur, donc ce sera pour vous la note, on sera tous bien contents de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour intervenir le plus vite possible. Et c'est prévu pour la SOR sur le territoire du CIECAO, mais je ne sais pas si c'est déjà en développement, je ne suis pas sûr. C'est en projet en tous les cas. Sur les comptes 628 et 68, remplacement des volets roulants, mise aux normes des sanitaires PMR de la Cantinoise et motorisation du portillon du Hêtre-Pourpre, initialement prévu en dépenses d'investissement, va être réalisé par les agents en régie finalement. Et donc ça, on enlève cette somme de l'investissement pour le mettre en fonctionnement. Quand c'est réalisé en régie, ça passe en fonctionnement. Pour les comptes suivants, 631, 632, c'est des ajustements entre les comptes qui sont nécessaires pour que les dépenses soient correctement affectées aux comptes, donc pas d'impact financier. Même chose pour les 231, 232. Ensuite, on ajoute une dépense de 700 € pour le contrat cybersécurité non prévu au budget, pour l'ajustement de la cotisation à Groupama due à l'actualisation de la masse salariale. Au compte 61-88, une somme de 17 650 € est ajoutée pour l'équilibre de la section de fonctionnement, puisque une DM doit constater l'équilibre des différentes parties du budget. Et enfin, pour les dépenses de fonctionnement, on compte 63,55. Acquisition de véhicules a été prévue en dépenses d'investissement. Et lors de l'achat, les frais de carte grise et mise en service sont compris dans le prix de vente, mais doivent être imputés en fonctionnement, 824 €. Pour ce qui est des recettes en fonctionnement, à hauteur de 81 024 €, nous avons été notifiés de la DGF, des dotations globales de fonctionnement, de la DSR, dotation de solidarité rurale, et de la DNP, dotation nationale de péréquation, nous permettant d'ajuster les recettes de fonctionnement et d'équilibrer cette DM à hauteur de 81 024 €. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez une annexe, hein, l'annexe numéro 1, avec alors c'est les comptes sont c'est pas très digeste, c'est plus facile, c'est plus simple. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je passe au fonctionnement sur les dépenses au niveau. Oui. Je passe à l'investissement, j'ai dit quoi ?
Le fonctionnement est terminé. Je passe donc à l'investissement et aux dépenses d'investissement au chapitre 21. Les immobilisations corporelles, les mandats dans le cadre des travaux du 21 rue de Paris ont été comptabilisés par erreur au compte 2135. Installation, agencement, aménagement et construction, mais la prévision budgétaire est au compte 2313, travaux en cours. Donc on bascule les crédits du compte 2313 au 2135. Les dépenses relatives à l'achat de caméras mobiles pour les dépôts sauvages, au remplacement des hydrants avenue Georges Clemenceau. Alors, et rue du Fréval, ce n'est pas des remplacements, c'est des créations d'hydrants pour améliorer la défense incendie qui n'était pas aux normes. Donc on profite des travaux en cours actuellement à Clemenceau pour mettre des poteaux incendie. Complément de crédit pour renouveler les extincteurs de plus de 10 ans et une clôture autour du lavoir du Présier qui a encore été dégradée il y a 2-3 semaines sont également inscrites à ce chapitre. Et pour ce qui est des hydrants, on en met un aussi juste en face du nouvel EHPAD parce qu'il n'y avait pas d'hydrant à cet endroit-là, donc une défense incendie qui n'était pas non plus aux normes. Chapitre 23 sur les travaux en cours. Diminution en hauteur des crédits, on l'a évoqué, on n'avait pas affecté la dépense sur le bon compte. En raison de découvertes en cours du chantier nécessitant des ajustements, de nouvelles dépenses sont également prises en compte. Avenant et la mission de contrôle technique, étant donné les négociations en cours sur l'opération du théâtre de Verdure, une diminution de l'enveloppe consacrée aux travaux permet d'équilibrer la section. De même, certains travaux prévus par des entreprises et inscrites en investissement vont être réalisés en régie par les agents communaux. C'est le cas des sanitaires PMR de la Cantinoise, de la motorisation du portillon Étrepourpre. Nous l'avons déjà évoqué et ils ont été basculés en fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ces ajustements? Il y a différents sujets sur lesquels on reviendra dans le cours du conseil. Je porte aux voix l'ADM, s'il n'y a pas de questions particulières. Qui s'oppose? Qui est contre la décision modificative? 3. Qui s'abstient? Qui approuve? Merci. Merci à tous. Point suivant, le rapport annuel d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. Merci Muriel. Donc c'est un dispositif de péréquation horizontale, c'est-à-dire que c'est des mouvements financiers entre collectivités. Nous sommes sur 3 péréquations horizontales, nous sommes contributeurs à 2 péréquations et nous sommes bénéficiaires de l'une, c'est le cas du FSRIF, qui est donc le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, qui existe depuis 1991. Et la commune de Viarme, dont la population pour la DGF est supérieure à 5 000 habitants, est éligible à ce fonds depuis 2012. Par courrier en date du 22 juillet 2022, la préfecture du Val-d'Oise a notifié à la commune le montant du fonds qui lui serait versé, soit la somme de 132 588 euros, que vous pouvez comparer aux exercices précédents. Nous sommes en baisse. 2021, 162 016 et 2020, 187 670 et 2019, 183 000 euros. Il nous est donc demandé de vous présenter ici par un petit tableau que vous avez également en annexe 2, ce qui a été fait, l'usage qui a été fait de ces versements. Des travaux sur le réseau d'éclairage public et de vidéoprotection. Alors à chaque fois, vous avez le montant global de la dépense, vous avez le montant financé par le FSRIF et le financement, les autres financements, c'est évidemment le budget communal. Donc des travaux sur réseau d'éclairage public et vidéoprotection, montant global des travaux 35 815, 6 000 euros financés par le FSRIF. Création du tiers-lieu au 8 rue Eugène Lair, 106 650 euros, 20 000 euros du FSRIF affectés sur ce point. Travaux de construction d'un équipement sportif, 224 852 euros, 15 588 euros affectés de fonds affectés venant du FSRIF. Travaux de requalification de voirie, montant des travaux 106 964 euros, 13 000 euros affectés du FSRIF. Travaux de requalification de voirie, 528 796 000 euros, 40 000 euros provenant de ce fonds.
Travaux de requalification de voirie à nouveau, 4 400 euros de travaux, 1 000 euros provenant de ce fonds. Et enfin, diverses opérations sur les réseaux d'eau pluviale sur des sommes importantes de 347 541 euros, 35 000 euros proviennent de ce fonds. Réhabilitation d'une friche urbaine, 11 864 euros de travaux, 5 000 euros affectés, de fonds, venant de ce fonds. Donc sur un montant total de travaux de 1 366 884,19 euros, 1 231 296,19 ont été financés par la commune et 135 588 euros financés par le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. Est-ce que vous avez des questions? On le vote chaque année. Hein. C'est quelque chose qui s'estend un petit peu, ça vient un petit peu en diminution, mais enfin, c'est tout de même assez stable. Qui approuve l'affectation des fonds du SRIF? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Pas de contre. 3 abstentions, pas de contre. Le reste pour. Merci. Point numéro 3. On quitte les finances pour passer à l'urbanisme. Je passe la parole à Hugues. Alors, urbanisme, déclaration préalable à toute division volontaire de propriété foncière. L'article L115-3 du Code de l'urbanisme dispose que dans les parties de communes nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider par délibération motivée de soumettre à l'intérieur de zones qu'il délimite à la déclaration préalable prévue par l'article L421-4 les divisions volontaires en propriété ou en jouissance d'une propriété foncière par vente ou location simultanée ou successives, qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. Au vu de la nécessité de préserver le caractère architectural du bâti et le paysage urbain de l'ensemble du centre-ville de Viarmes, et afin d'empêcher certaines transformations de résidences en commerce ou autres divisions de maisons en appartements, il apparaît nécessaire d'obliger toute personne à transmettre une déclaration préalable avant la division volontaire de propriété foncière sur les secteurs du plan de zonage du PLU, hormis les zones A agricoles et N naturelles. Il est par conséquent demandé au conseil municipal, conformément à l'article L115-3 du Code de l'urbanisme, de décider de soumettre à déclaration préalable, prévue à l'article L421-4, les divisions volontaires en propriété ou en jouissance d'une propriété foncière par vente ou location simultanée ou successive qui ne sont pas soumises à permis d'aménager à l'intérieur desdites zones. Il y a des questions. Pas de questions, c'est quand même un point important que nous n'avions pas à la disposition de la commune jusqu'alors. Donc c'est indispensable vu le manque, j'allais dire le manque de sérieux, non pas le manque de sérieux, mais la volonté qu'ont les propriétaires de diviser. C'est vrai qu'il faut reconnaître que l'intérêt général de la commune ne correspond pas forcément à l'intérêt financier de chacun, chaque particulier. Beaucoup de problèmes sont créés à cause de ces divisions. C'est d'ailleurs une question que pose, je ne sais pas si c'est Radia ou le groupe d'opposition, une question à ce sujet-là à la fin. Donc c'est une arme, c'est une arme pour lutter contre ce problème-là. Les questions que j'ai fait remonter viennent d'un administré, d'un Viarmois, qui m'a demandé en fait de transmettre des questions, mais qui ne souhaite pas donner son... On en parle à la fin. On reviendra dessus à la fin, mais donc ça c'est télescopé avec ce point-là. Depuis quelques... Enfin, notre volonté, c'est d'essayer de... Pas d'arrêter complètement toutes ces divisions et faire en sorte que certains, je dirais, profitent d'un peut-être parfois d'un dysfonctionnement au niveau de notre commune. Et on, par ce biais-là, enfin, à chaque fois quand on est passé en droit de préemption renforcé, on passe avec ce dispositif qui obligera donc les personnes à déposer une déclaration préalable. C'est toujours dans la même ligne de conduite que l'on mène depuis 3 ans, à savoir accompagner certaines choses, mais refuser le grand n'importe quoi, comme on a pu le voir ces derniers temps. Voilà. D'autres interventions?
Je te laisse porter aux voix, Hugues. Alors, qui est pour ? Merci. Pas d'abstention, pas de vote contre, unanimité, merci. Point 4, Hugues, je te laisse la parole, délaissé de voirie au profit du propriétaire de la parcelle AC597. Alors, les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont pas utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement. Il est nécessaire aujourd'hui de régulariser une situation existante depuis 2012 par laquelle la parcelle AC597 se situant avenue John Fitzgerald Kennedy n'est pas alignée par rapport aux parcelles adjacentes et dont la limite de propriété ne correspond pas au plan cadastral. C'est pour cela qu'il est aujourd'hui demandé au conseil municipal d'approuver ce délaissé de voirie au profit du propriétaire de la parcelle AC597 en rappelant que tous les frais inhérents à cette opération seront à la charge de celui-ci. Alors, tout le monde sait où se trouve la rue Kennedy, à peu près. Mmh. Et on vous a mis donc un plan, on vous a mis un petit rectangle vert qui fait l'objet de la délibération, et des photos où on voit bien qu'il y a, en fait, c'est le riverain qui a refait une nouvelle clôture dans l'alignement, alors que, en principe, ce bout-là cette parcelle-là, ce petit bout-là, c'était encore à la commune, en fait. Donc on est obligé maintenant de régulariser la situation de façon à ce que, un, il y ait bien l'alignement comme les autres, hein, à peu près, et puis de faire en sorte que notre trottoir soit bien distingué de sa partie de terrain à lui. Voilà. Alors c'est vieux, hein, vous avez vu, ça fait plus de 10 ans que ça dure, apparemment. D'autres habitations avenue Kennedy ou... Approchez bien votre micro, que les gens nous entendent qui sont à distance. À d'autres moments dans la commune, on imposait le retrait, et notamment en face du CTM, ouais. Les gens sont en retrait. Donc ils vont pouvoir avoir le droit de grignoter sur les trottoirs comme lui. Alors là, c'était suite à une requalification du département, je crois, où le département s'était même engagé avec ce propriétaire à réaligner. On a un courrier qui date de 2012 par le département. Donc c'était déjà d'actualité, comme on vous l'a dit, en 2012. Hein. Et on dit bien que... voilà, concernant l'alignement au droit de votre propriété, je précise que je n'ai pas d'objection à l'identification d'une clôture dans le prolongement des autres clôtures réalisées à avenue John Fitzgerald Kennedy, donc sur la RD 922Z, incluant donc la bande engazonnée qui vous appartient. Toutefois, vous devrez déposer une demande de travaux auprès des services de la mairie de Viarme et obtenir leur accord avant d'exécuter les dits travaux et régulariser le socle foncier correspondant. Donc, il faut l'accorder à tous les habitants de l'avenue, dans ce cas-là, sur le même trottoir. Pour l'instant, j'en ai qu'un qui m'a demandé. Hein. J'ai qu'une personne pour laquelle, a priori, il y avait un problème. Alors, à l'époque où c'était demandé, c'était une route départementale. C'est pas communal. À l'époque où c'était demandé, c'est une route départementale. Donc, oui, j'entends bien, mais à l'époque maintenant, elle est communale. Donc, à l'époque où ça a été imposé à d'autres habitants, c'était aussi une route départementale. Et vous avez un décroché de 1 ou 2 mètres à l'intérieur des propriétés. C'était une route départementale. Donc, et après, les courriers ont eu lieu. Après, maintenant, s'il y a d'autres demandes, là, c'est une route communale. Donc, le décideur ne sera pas le même. Les impositions de retrait venaient de la mairie. Je ne sais pas. Ouais, en 2012, j'étais pas là, donc je peux pas vous dire. Moi, j'étais pas né. Moi, ouais, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, cette personne est déjà venue nous voir il y a un peu plus d'un an maintenant, et qu'elle a donc essayé de régulariser en pensant, quand elle avait déposé sa déclaration préalable de travaux pour cette fameuse clôture, elle pensait que c'était bon, que la lettre qu'elle avait eue du département lui donner propriété de ce bout de parcelle. C'est là qu'on a dit, non, pas du tout. Donc, il faut régulariser aussi. Il n'y a pas que la clôture, mais l'assise foncière à régulariser. Donc, voilà, ça paraissait un peu compliqué de contredire à la fois un courrier du département et de ne pas régulariser une situation qui date quand même depuis un certain temps. Il faut être cohérent et mettre la même chose partout dans ce cas-là. Moi, pour l'instant, c'est la seule demande que j'ai eue.
Donc ce soir, on va traiter que ce cas-là. Tu portes aux voix si on a terminé les échanges. Qui est pour ? Contre ? Pas d'abstention, merci. Il y a une contre-abstention. Contre. Ah. Un contre et pour. Dans le prolongement là, de ce terrain, en allant plus sur le côté gauche, il y a un renfoncement. On ne peut pas faire des places de parking alors qu'on manque de parking partout. Tu vois, un renfoncement. Tu prolonges le bout vert. Il y a un creux là. Je ne sais pas ce qu'il y a à cet endroit-là. Oui, c'est deux R5 dans le même cas, mais on peut peut-être faire du parking là, non ? Avant qu'il n'y ait pas de clôture. Sur quel bout ? Dans le prolongement. Bah oui, mais ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas là, ce qui est à côté ? Ah, tu t'attends au prolongement du trottoir. Mmh. Oui, oui, oui. Prolongement du trottoir. Il y a un creux là. Je vois. Je ne connais pas la distance exacte, la largeur. Ouais, faudrait vérifier. Pareil, il y a plein d'endroits. On pourra essayer d'aménager et de faire d'autres choses, mais bon. Bon, c'est pas un endroit où le parking manque cruellement. Hein. De toute façon, là aussi, hein, on étudie, je dirais, régulièrement la faisabilité pour des parkings complémentaires. Hein. C'est quelque chose qui reste d'actualité. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à essayer de se concentrer plus vers l'hypercentre, on va dire, où ça manque là, pour le coup, cruellement, ou certaines rues où il en manque vraiment beaucoup de parkings. Ici, Kennedy, moi, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de retours de gens qui se plaignaient sur le stationnement rue Kennedy. Enfin, je sais pas toi. Non, aucun. On passe au point suivant. Toujours Hugues, don de la parcelle D15, dans le lieu dit le Babénard. Alors, donc c'est le don d'une parcelle. La commune de Viarme a réceptionné donc le 27 février 2023 une proposition de don pour la parcelle cadastrée D numéro 015 d'une superficie de 420 m². Cette parcelle est située lieu dit le Babénard, photo donc ci-dessous, parcelle surlignée en jaune. L'acceptation de ce don de parcelle proposée au conseil municipal poursuit la politique volontariste de protection de son environnement engagée par la commune. Ces espaces agricoles et forestiers sont l'écrin paysager de la commune de Viarme, participant à son identité rurale et à son attractivité résidentielle. La parcelle D numéro 15 est classée en zone naturelle par le plan local d'urbanisme et dans le périmètre de protection des sites et monuments naturels inscrits au massif des Trois Forêts. La propriété des parcelles forestières reste le meilleur moyen de prévenir les défrichements, les aménagements et les installations illégales avec toutes les nuisances qu'elles entraînent pour la population. La parcelle étant cédée à titre gracieux, les frais notariés seront à la charge de la commune. Alors, je ne sais pas, c'est toujours pas facile de voir où ça se situe. Vous voyez ou pas ? On est du côté de la route de Saint-Martin. Oui, quand on va sur Saint-Martin. Oui. Alors après, pour la distinguer, c'est pas... Ah oui, c'est après le virage à angle droit, au bout de la ligne droite en sortant de Viarme, et c'est dans la montée à une centaine de mètres un peu plus haut, avant le S. Est-ce que ça appelle des commentaires de certaines ou certains ? Excusez-moi, j'aurais une question technique. Pourquoi les Trois Forêts ? La forêt de Carnel ne fait pas partie des Trois Forêts ? Si, si, il y a toujours un... Si, on est dans le massif des Trois Forêts, c'est quoi ? C'est Carnel, Lisle-Adam et Montmorency ou Chantilly ? C'est Alatte, Ermenonville et Chantilly. Alatte, Ermenonville et Chantilly. Non, mais il y a aussi un autre. Parce que ça va jusqu'à la Fontaine d'Amour, je crois. On va regarder. Massif des Trois Forêts. Ça parle à personne ici ? Non ?
À Oud, c'est bien. C'est très bien. On va fact-checker, comme on dit, en direct. Ouais. Voilà. Vous avez la réponse en direct. Donc on a plusieurs massifs des trois forêts, semble-t-il. On va essayer de regrouper les trois blocs pour travailler ensemble, pour qu'on puisse travailler sur une cohésion des trois forêts. On avait eu une conférence à distance là-dessus. Et à la fin, la question, c'était quels sont les maires qui sont prêts à engager des moyens financiers pour soutenir l'ONF sur le partenariat. Voilà. Donc je pense qu'ils ont continué dans cette logique-là d'avoir une cohésion de présentation des trois forêts sur les panneaux, la signalétique dans la forêt, la préservation d'espaces forestiers pour les préserver du public, etc. Donc je pense qu'ils sont en train de travailler sur ce projet avec les moyens qu'ils ont récoltés à l'époque. Mais comme Montmorency a des communes qui sont plus impliquées aussi parce qu'ils ont une forêt qui est beaucoup fréquentée et eux, ils ont vraiment besoin que ça s'urbanise correctement, je pense que le projet est lancé. Oui, non, mais nous n'avons pas eu d'officiellement de communication officielle qui nous disait maintenant nous sommes le massif des trois forêts. Voilà, c'est marqué là. En gros, c'est ça. Bon, alors si peut-être qu'il y a plusieurs massifs des trois forêts, en tout cas, comme je vous le disais en préambule, c'est bien Montmorency, l'Isle-Adam et Carnel. Ce qui n'exclut pas peut-être un deuxième massif des trois forêts que je ne connais pas. En fait, il y a plein de massifs des trois forêts. Si tu parles, c'est avec un micro, Sarah, s'il te plaît. Aude, rappelez-vous, au PNR, on nous en avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait eu une réunion, et on nous avait expliqué que pour le corridor biologique, ils étaient obligés, ça vient de me revenir, de lier la forêt de Chantilly avec la forêt de Carnel. Vous ne vous rappelez pas de cette réunion ? Je ne m'en souviens pas, mais historiquement, le massif des trois forêts, c'est pas sur le Valoise. Si, si, il y en a depuis un. 1976. Si, il y en a un, là. Le nom officiel, ça c'est ouais. Ensemble du massif des trois forêts de Carnel, l'Isle-Adam, Montmorency et leurs abords. Bon. Mettre le titre complet, en fait. Il faut De toute façon, on parle toujours de trois forêts. Hein. Ok, c'est noté. Point, faut le porter aux voix, peut-être ce petit point-là. Ça n'a pas été porté aux voix, Hugues, je pense. Alors, qui est pour que l'on accepte ce don ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Contre ? Merci. Point suivant, merci pour les points concernant l'urbanisme, affaires générales. Point numéro 6, convention de partenariat avec la communauté de communes Carnel Pays de France pour le développement de l'accueil petite enfance sur le territoire communautaire. Prends un micro, s'il te plaît, Sarah, mets ton micro. Le centre intercommunal, pardon. D'action sociale, le CIAS Carnel Pays de France souhaite enrichir et promouvoir l'offre de services en matière d'accueil du jeune enfant et répondre aux besoins des familles en disposant de places sur des structures réparties sur les différentes communes du territoire, dont Viarmes. Cependant, la compétence de gestion. La compétence de gestion des micro-crèches, multi-accueil, halte-garderie demeure pleinement communale. Le CIS, Carnel Pays de France, cherche quant à lui à proposer un accueil à des jeunes enfants résidant sur le territoire communautaire, mais ne bénéficiant pas ou insuffisamment de solutions en matière d'accueil de jeunes enfants sur le territoire de leur propre commune. C'est pourquoi le CIS, avec le soutien financier de la CAF du Val d'Oise, souhaite nouer un partenariat approfondi avec la commune de Viarmes. Dans la perspective d'une mutualisation des moyens de gestion de la petite enfance au niveau intercommunal, il convient d'organiser les modalités de partenariat entre notre commune disposant d'un multi-accueil et le CIAS Carnel Pays de France dans un cadre conventionnel.
La convention a notamment pour objet la mise à disposition pour les familles domiciliées sur le territoire de la communauté de communes Carnal Pays de France d'au moins 7 places d'accueil au sein du multi-accueil de Viarmes pour l'année 2023. Elle pourra être deux fois reconduite tacitement pour une même période. En contrepartie, le CIAS s'engage à participer aux frais de fonctionnement de la structure à hauteur de 30 000 euros par an. Afin de permettre le versement de cette contribution, il est nécessaire d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention de partenariat avec la C3PF pour le développement de l'accueil petite enfance sur le territoire communautaire. Il y a une question. Oui. Oui, donc plusieurs questions. La première chose, donc on va accorder 7 places à des enfants sur le territoire. Donc est-ce que ça va augmenter le nombre de places déjà prévues? Ça va donc diminuer le nombre de places pour les Viarmois? Non, plus. J'explique, jusqu'à maintenant, il y avait 13 places qui étaient... prioritairement donné sur les enfants, enfin pour les enfants de la communauté de communes. On a réussi à descendre à 10 places là pour la rentrée prochaine. Et là, si vous votez pour ce projet, on aura l'autorisation de descendre qu'à 7 places. Ça permettra d'avoir plus de places pour les Viarmois. Donc ça baisse et malgré cela, on va avoir une subvention de 30 000 euros. Oui. Par contre, ça, c'est... On a bien négocié comme ça. On garde... Parce on n'avait pas de subvention jusque-là. Si, on avait une subvention qui était déjà de 30 000 euros pour 13 enfants, par exemple. D'accord. Ou 10, voilà. Maintenant, on a toujours 30 000, mais pour 7 places. Voilà, c'est ça. Okay. Le montant initial de 30 000, oui, avec la ville de Luzarches, ne couvrait pas en fait la totalité des frais de fonctionnement. C'était un montant qui était un peu faiblard. Et donc le fait de descendre à 7 avec le même montant, c'est quelque chose de plus, qui est beaucoup plus proche de la réalité des dépenses de fonctionnement. D'autres, oui, il y avait d'autres questions, non? C'est tout. Tu portes aux voix, Sarah? Oui, qui est pour cette convention? Signer la convention. Voilà, je vous. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, je vous remercie. Le point 7, c'est également pour toi. Structure multi-accueil, validation du nombre de places et adoption du projet d'établissement. Alors, un décret de 2021, qui est le 1131, du 30 août 2021, publié le 31 août 2021, a réformé l'accueil du jeune enfant tant auprès des assistants maternels que dans les établissements d'accueil. De nouvelles normes ont été édictées, encadrement, bâtiment, accueil pédagogique. Parmi ces missions, le service de protection maternelle et infantile, PMI, doit surveiller et contrôler le fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant. Lors d'une visite de contrôle dans ce cadre et dans l'objectif de respecter les nouvelles normes, des ajustements au niveau du bâtiment et de l'encadrement des enfants doivent être réalisés d'ici le 1er septembre 2026. L'ajustement au niveau de l'encadrement a été mis en place le 1er mai 2023. Les règles de calcul de l'encadrement théorique des enfants par les professionnels a été modifiées, ce qui a eu pour effet de revoir l'agrément du multi-accueil. Bien que dans la pratique quotidienne, l'encadrement réel des enfants par les professionnels ait toujours été respectueux des taux d'encadrement imposés par le cadre légal, à savoir un professionnel pour 5 enfants non marchands et un professionnel pour 8 enfants marchands, le nombre théorique de professionnels nécessaires en termes équivalent temps plein, ETP, pour encadrer est légèrement supérieur à celui réel. Aussi, en fonction de l'accueil actuel et réel des enfants, de la demande formulée pour la prochaine année, l'ajustement a induit de baisser l'accueil des enfants de 39 à 35. Ce nombre de places est réparti 5 enfants dits non marchands et 30 enfants dits marchands. Le nombre de professionnels de l'équipe du multi-accueil est maintenu à l'identique 6 agents.
Il est précisé que la publication du décret oblige de prévoir des travaux dans le bâtiment pour respecter les nouvelles normes, de modifier le règlement de fonctionnement actuel en vigueur en y intégrant les points suivants. Modalités du concours du référent santé et accueil inclusif, donc c'est l'article 2324-39 du Code de la santé publique, modalités d'accueil en surnombre, l'article R 2324-27 du Code de la santé publique, obligation de réservation d'une place d'accueil en faveur des familles en insertion sociale et ou bénéficiaires des minima sociaux, l'article L 214-2 et L214-7 du Code de la santé publique, de modifier le projet d'établissement en cours de réécriture en y intégrant, dans la partie projet éducatif, dispositions prises pour l'éveil en matière artistique, culturelle et favorisant l'égalité filles-garçons, et dans la partie projet social et développement durable, modalité de participation des familles, actions de soutien à la parentalité, la démarche en faveur du développement durable. Il est donc demandé au conseil municipal d'acter la prise en compte de ces nouveaux éléments en validant le nombre de places de 35 de la structure et en adoptant le projet d'établissement joint. Est-ce qu'il y a des questions ? Je porte aux voix. Question, tu peux porter aux voix. Alors, qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Ben, je vous remercie. Point 8, adhésion de la commune de Luzerche-Sicteux pour la compétence eau pluviale. Alors c'est Daniel qui devait rapporter, il n'est pas là, qui prend la lecture. Quelqu'un qui n'a pas pris la lecture. Sylvie, allez. Point 8, s'il te plaît. La commune de Luzerche a demandé l'adhésion du SICTUB pour la compétence eau pluviale urbaine à l'occasion de leur délibération du 26 janvier 2023. Le comité syndical du SICTUB a approuvé cette adhésion dans sa délibération numéro 2023-023 du 9 mars 2023. Le préfet du Val-d'Oise demande que l'ensemble des communes adhérentes au syndicat, dont la commune de Viarme, soient consultées afin que ces dernières délibèrent quant à l'admission de ces nouvelles communes dans le périmètre du SICTUB pour la compétence assainissement. Il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'adhésion de la commune de Luzerche à la compétence assainissement du SICTUB. Des questions ? Voilà, donc je ne pourrais pas répondre. Jusqu'à jusqu'à maintenant, la compétence au pluvial était donc communale. La dernière, puisque l'eau potable et l'assainissement ne sont plus de compétences communales. Il y a donc un projet de transférer ces compétences, je crois, en 2026 au plus tard, et je crois que c'est à l'Interco, qui elle-même devra certainement... L'Interco n'est pas en propre de compétences, donc la compétence ira très certainement au SICTUB. Un syndicat de toute façon, donc évidemment le SICTUB qui est en cours actuellement. Quelques communes ont déjà passé cette compétence. Nous n'avons pas encore été au fond de la réflexion. Et nous porterons cette réflexion puisque un élu de la commune, Daniel Dess, est président du SICTUB. Voilà. Donc pour nous, pas de porte fermée, pas de réflexion encore portée. Il y a point d'urgence à mon avis. On vous demande pour l'instant de donner un avis favorable pour que Luzerche puisse, eux, puisqu'ils le souhaitent, transférer la compétence au SICTUB. Des questions à sur ce sujet ? Pas de questions, je porte aux voix. Qui est contre l'adhésion de la commune de Luzerche au SICTUB ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour ? Merci à vous. Ressources humaines, point numéro 9. Le déontologue. C'est bien ça ? Le déontologue. Je vais être obligé de lire. Ouais. Je vais être obligé de lire. Je pourrais donner ça à quelqu'un, c'est vrai. C'est vrai, je pourrais donner ça à quelqu'un. Par exemple, à Hugues. Je sens que tu faiblis. Oh oui. Donc,
Alors, désignation et modalités d'exercice du référent déontologue des élus. L'article 218 de la loi 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification, dites 3DS, a ouvert la possibilité à tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local, article L1111-1-1 du CGCT. La loi 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat a codifié à l'article L1111-1-1 du CGCT la charte de l'élu local. Cette charte énonce les principes déontologiques que les élus doivent respecter dans l'exercice de leur mandat. Exercer son mandat avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Poursuivre le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel. Veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat à d'autres fins, etc. Comme l'exige la loi, il a été donné lecture de cette charte lors de la séance d'installation du Conseil municipal du 3 juillet 2020. Un référent déontologue pour les élus doit être désigné avant le 1er juin 2023. La délibération de nomination précise les modalités de l'exercice de ses fonctions. Ce référent déontologue a pour mission d'apporter à l'élu qui le sollicite tout conseil utile sur des questions relatives aux obligations et principes déontologiques mentionnés dans la charte. Il a donc vocation à assister les élus sur l'ensemble des questionnements. Prévention des conflits d'intérêts, déclaration d'intérêts ou obligations déontologiques, impartialité, dignité, neutralité, à travers des conseils et expertises. Les missions de référent déontologue doivent être exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Dans ce contexte, le directeur depuis plus de 20 ans de l'Union des maires du Val-d'Oise, M. Philippe Tissier, juriste, nous a fait part de sa candidature ainsi que de celle de son adjointe, Mme Karine Le Gouir, juriste également. En application de l'article R1111-1A du CGCT, il est proposé à l'Assemblée de désigner au titre de référent déontologue des élus ces deux personnes, seule candidature reçue à ce jour pour exercer cette mission. Durée de l'exercice des fonctions. Ces référents déontologues sont nommés à compter du 15 juin 2023 pour la durée du mandat. Ils ne peuvent être révoqués avant la fin de la période. À leur demande, il peut être mis fin aux fonctions de l'un ou de l'autre. Le remplacement est alors effectué dans les mêmes conditions pour la durée des fonctions restant à courir. Au terme de cette durée, il peut être procédé dans les mêmes conditions au renouvellement de la mission ou des référents. Modalité de saisine. Le référent déontologue pourra être saisi par tout élu local de la commune par voie écrite, soit par courriel à l'adresse référentdéontologue@eluduvaldoise.fr, soit par la poste sous double enveloppe fermée, l'enveloppe extérieure à référent déontologue des élus du Val-d'Oise, 38 rue de la Coutellerie, 95300 Pontoise. L'enveloppe intérieure comportant la mention à l'intention des référents déontologues. Chaque saisine du référent déontologue devra être cachetée et porter la mention confidentielle. Toute demande fera l'objet d'un accusé de réception par le référent déontologue qui mentionnera la date de réception et rappellera le cadre réglementaire de la réponse. Le référent déontologue étudiera les éléments transmis par l'élu, pourra demander des informations complémentaires, recevoir l'élu afin de préparer son conseil. Conditions d'examen et de rendu des avis, le référent déontologue doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. À cet égard, il ne peut recevoir d'injonction extérieure. L'autorité territoriale n'est pas tenue informée des saisines ni des avis rendus. Le référent communiquera l'avis à l'élu concerné dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité de la demande. L'avis de recevabilité et l'avis sur le fond du dossier seront communiqués par courriel ou courrier postal selon le mode de saisine. Le référent déontologue est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. L'avis du référent déontologue est purement consultatif et n'est pas susceptible de recours.
l'avis émis par le référent déontologue n'a pas vocation à être rendu public. Toute publicité faite à cet avis, par quelque voie et par quelque moyen que ce soit, le sera sous la seule responsabilité de l'élu et ne pourra pas engager la responsabilité du référent déontologue des élus. Rémunération. Le référent déontologue exerce ses missions à titre gratuit. L'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2022 indique que lorsque les missions du référent déontologue sont assurées par une ou plusieurs personnes, le montant maximum de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée est fixé à 80 € par dossier. Les référents déontologues se réservent, le cas échéant, le droit de facturer, dans le respect du droit en vigueur, si la complexité du dossier venait à l'exiger, notamment du fait du temps passé. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la désignation et les modalités d'exercice du référent déontologue des élus. Merci Hugues. Donc vous avez tous compris de quoi il s'agit. Vous avez bien saisi aussi le début de la lecture de Hugues, l'article différenciation des 101 et portant diverses mesures de simplification. Bon, pour simplifier, on rajoute quelque chose, une possibilité supplémentaire, donc un déontologue avec deux enveloppes. Voilà, moi, le point a été évoqué puisque toutes les collectivités doivent c'est une obligation, le passer au vote, toutes les communes et l'interco hier. Moi, je me suis abstenu et je vais m'abstenir aussi ce soir parce que c'est la complexification de tout. Tout ce qu'il y a dans cette charte, on le connaît, on s'y plie tous les jours. Pas besoin d'une structure supplémentaire encore qui complexifie, comme toujours, chaque jour, chaque semaine qui passe, on nous met des choses en plus à faire et ça commence à suffire. Donc évidemment, on peut y trouver un intérêt, mais chaque fois qu'on nous dit quelque chose qui serait bien, oui, on va y trouver un intérêt. Donc comme il est obligatoire, eh ben, il faut qu'on vote. Voilà. Moi, mon avis, c'est que c'est des constructions qui ne sont pas forcément nécessaires. Et donc moi, pour ma part, je vais m'abstenir. Pour ce qui est de la personne qui s'est proposée pour être candidate, elle se propose à toutes les communes d'Île-de-France et à l'Interco hier. C'est Philippe Tissier que je connais très bien, qui est quelqu'un de tout à fait compétent et habitué à toutes ces questions-là. On peut même dire d'ailleurs que l'Union des maires, association elle-même, aurait déjà pu répondre et pourrait déjà répondre à toutes ces questions. Sauf que maintenant, faudra, si vous avez une question déontologique, il faudra s'adresser à l'Union des maires par un procéder d'une double enveloppe à Philippe Tissier. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Dominique, Hugues ? Est-ce qu'il y a obligation ? Mets ton micro, s'il te plaît. Mets ton micro aussi, parce que les gens ne nous entendent pas. Est-ce qu'il y a obligation d'adhérer ou pas ? C'est-à-dire que si ce soir, tu nous informes que tu vas donc t'abstenir, si, admettons, ton conseil municipal te suit, c'est quoi la suite ? L'article 218 de la loi a ouvert la possibilité à tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue. Donc, on doit avoir un référent déontologue. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'article de loi. Après, si le conseil vote contre... Point juridique, Muriel. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas juste acter les choses si c'est obligatoire. Alors, est-ce qu'on vote contre ou pour le principe ou est-ce qu'on vote pour ou contre ces deux personnes ? C'est deux sujets différents, en fait. Je peux me permettre de répondre. Bonsoir. Alors, sur la question voter contre le principe, c'est une loi. Donc, il y a une obligation de soumettre, en tous les cas, au conseil municipal la désignation d'un référent. À deuxième question, voter pour ou contre, enfin, en tous les cas, ou nommer quelqu'un, il y aurait pu y avoir 42 candidatures, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une candidature, le conseil il vote selon ses choix, et la résultante est que demain, s'il y a un élu qui a envie de voir un référent déontologue, il verra éventuellement une association ou autre, en tous les cas, par un autre canal. Mais le conseil municipal aura fait ce qu'il a l'obligation de faire, c'est-à-dire de soumettre au vote un référent déontologue, peu importe le résultat. Poser une question concernant la rémunération. Il est marqué qu'ils exercent leur mission à titre gratuit. Et un peu plus bas, on nous dit qu'ils peuvent avoir des indemnités. C'est plus gratuit ? euh,
Alors, c'est ce que proposent ces candidatures. Moi, j'ai posé la question, effectivement. Donc, j'ai eu M. Tissier au téléphone, qui m'a dit, bien entendu, que déjà, il a déjà des dossiers. Il est déjà référent déontologue indirectement, comme le disait M. le maire, par l'Union des maires. Là, il faut que ça soit par un autre biais. Cela dit qu'il n'a jamais facturé. Il a toujours fait le nécessaire. Mais il le note au cas où, effectivement, il y aurait des dossiers beaucoup plus complexes qui nécessiteraient beaucoup de temps, parce qu'il rappelle quand même que c'est du bénévolat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout payés pour cela. Et donc, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est si vraiment il y avait des frais qui venaient, s'ajouter. Voilà. Maintenant, je ne peux pas en dire plus que ce qu'il m'a dit par téléphone. Non, mais la loi prévoit une indemnité maximale de 80 euros par dossier, mais le référent qui vous est proposé exerce ses missions à titre gratuit. Il peut arriver, c'est ce que je lis en dessous, que si un dossier est extrêmement compliqué, qui va très loin, dans ce cas-là, il passera à la facturation. Mais c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je porte aux voix. Qui est contre ? Est-ce qu'il y a des trois contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Le reste du conseil ? Ah oui, et moi je m'abstiens, pardon. Oui, une abstention. Alors, trois contre, une abstention. Enfin, il y a d'autres abstentions ? Deux abstentions ? Alors, abstention. Comptez, Muriel. Les pour maintenant. C'est tout bon. Merci, Muriel. Donc, le référent est approuvé. Troisième ligne a ouvert la possibilité à tout élu locaux. Alors, ça me choque parce que tout, c'est du singulier. Élus locaux, c'est au pluriel. Est-ce qu'on pourrait mettre tout élu local ou à tous les élus locaux ? Merci. Ah, c'est parti. Bataille de profs. Dominique, c'est exactement la même chose que quand tu dis cette maison est à vendre et il n'y a aucun travaux. Tu vois, il n'y a aucun qui est du négatif et puis travaux qui deviennent du pluriel. En fait, ici, quand on dit tout élu, ça veut dire n'importe lequel pour lui, mais c'est une globalité. Et donc, c'est assez logique. Mais c'est... Voilà. Bon, nous mettrons au procès-verbal cet échange fort intéressant. Point 10, création d'un grade de gardien-brigadier. Pour donner suite aux différents départs survenus au sein du service de police municipale, il convient de créer un grade de gardien-brigadier supplémentaire. Deux recrutements ont eu lieu ces derniers jours. Un poste de gardien-brigadier et un poste de brigadier-chef principal étaient disponibles sur le tableau des effectifs. Compte tenu des difficultés de recrutement rencontrées dans ce secteur d'activité, deux candidatures de gardien brigadier ont été retenues. Afin de permettre la mutation d'un de ces deux agents au sein de notre police municipale, il est donc demandé à l'Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination d'un des nouveaux arrivants en créant le grade comme suit. Donc un agent de police municipale, gardien brigadier, un poste pour le service de police municipale. Donc, il y a eu des départs, c'est clairement précisé de synthèse, des arrivées, et les arrivées ne correspondent pas aux postes qui ont été ouverts au sein de la mairie, donc il faut ouvrir les postes pour pouvoir accueillir les nouveaux gardiens brigadiers. Il n'y a plus que deux échelons maintenant dans cette filière, il y a gardien brigadier et brigadier chef principal qui est au-dessus. Donc là, on ouvre un poste de gardien brigadier. Est-ce que ça appelle des questions ? Qui approuve la création d'un grade de gardien brigadier ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Trois abstentions. Qui est contre ?
Alors, trois abstentions et le reste pour. Merci. Nous avons épuisé l'ordre du jour et comme à chaque conseil municipal, on passe aux questions qui m'ont été posées. Alors, il y a des questions, puis ensuite je donnerai la parole aux élus et aux adjoints qui souhaitent... on le donnera après, oui. Aux adjoints qui souhaitent parler des événements qui vont se produire ou de choses importantes qui sont passées dans leur secteur d'activité. Alors, les premières questions qui me sont posées sont sur l'avenue Georges Clémenceau. Toutes les deux, le Position et Radia ont posé le même sujet sur Clémenceau, de la gestion calamiteuse de la circulation dans cette avenue compte tenu des travaux qui s'y déroulent depuis plusieurs mois. Les piétons sont obligés de marcher sur la route, des véhicules qui n'ont pas la place de se croiser à plusieurs endroits, sécurité non assurée, malgré le feu tricolore qui a été installé il y a quelques jours en partie basse de l'avenue qui est maintenant plus haut. La mairie envisage-t-elle de constater les prestataires pour mettre fin, bien sûr, et demander à organiser une circulation sans danger, bien sûr. Donc, depuis qu'on a été averti, alors je ne sais pas, le premier mail, ça doit être un mail de Radia, je pense, il y a quelques jours, qui a dû arriver. Jusqu'alors, je n'étais pas informé de cette situation. Il y a une réunion de chantier chaque semaine, qui est tous les jeudis, donc c'était ce matin. Donc, la réunion de chantier a eu lieu. Le feu rouge a changé de place. Les panneaux vont être mis traversés obligatoires. Enfin, ils vont faire ce qu'il faut pour assurer la sécurité des piétons. Donc ce matin, il y avait la mairie, évidemment. Il y avait le CKO qui est la compétence. Et il y avait la SOR qui est l'entreprise. Voilà. Donc ça va être normalement à partir de maintenant, ça va être suivi de plus près par l'entreprise qui intervient. Ouais. Mais donc ils s'engagent à créer des passages pour les piétons pour pas qu'ils descendent sur la route, parce que c'est le sujet. Oui. Si on remonte sur plusieurs mètres, mais vraiment sur une grande distance, il n'y a aucun endroit où le piéton peut passer. Alors quand ils ne peuvent pas, ils mettent ce qu'ils appellent des... Comment ça s'appelle ? Non, mais ils mettent des barrières jaunes, etc., mais oui. Sur toute la longueur du trottoir, alors qu'ils pourraient laisser un petit passage. Enfin, les enfants qui vont au collège ou à l'école, ou les parents, techniquement, n'ont ils pas peuvent à descendre sur la route, sur toute cette longueur. C'est techniquement, pas ils ne peuvent pas. Ils vont mettre des panneaux piétons traversés obligatoires, mais ils ne peuvent rien mettre au sol, parce que le chantier évolue, il avance. Donc, il n'y a pas de solution. S'ils ouvrent dans ces dimensions-là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils mettent des barrières, peut-être, sur une partie de la route, vu comme elle est déjà serrée. Mais la route est ouverte. Ça n'a pas gravé plus que ça. La route non, mais ouverte. Il faut qu'ils protègent les piétons. Ils ne peuvent pas dire, parce qu'on ne peut pas, enfin, à un moment donné... Soit ils mettent, je suis pas prêt, c'est pas mon domaine de compétence, mais j'imagine qu'il y a des solutions qui peuvent être étudiées. Mais en tout cas, les enfants qui vont à l'école et les parents n'ont pas à marcher sur la route sur toute cette longueur. C'est hyper dangereux. Déjà qu'on a du mal à se croiser entre les bus, les voitures, etc., à certains endroits où il n'y a même pas de visibilité. On ne se croise pas. Moi, je me retrouve face à face des fois avec des bus ou quoi que ce soit, ou obligé de piler parce qu'il y en a un qui arrive à toute barzingue. Donc voilà, c'est notre véhicule. C'est pas grave, il y a des travaux, pas de souci. Mais les piétons, pour le coup, là, c'est pas possible. En fait. Le sujet a été évoqué ce matin, mais visiblement, il n'y a pas de solution. Il faut qu'ils prennent le trottoir. Le trottoir de droite descendant n'a pas de trou, lui, parce qu'il passe les fusées de droite vers la gauche. Il y a un trottoir qui est libre. On pourrait envisager des... Je sais pas, c'est pas mon domaine, encore une fois, mais on pourrait envisager des feux tricolores. Et puis un passage sur la route, mais pour les piétons, c'est-à-dire qu'ils protègent, je ne sais pas, sur un mètre, que les gens puissent circuler sur la route, mais d'une manière protégée. Il faut répéter ça 4-5 fois sur toute la longueur de l'avenue. C'est sûr que c'est la solution. Il faut mettre un sens, une seule voie sur toute la longueur de l'avenue Georges Clémenceau. Alors ça, c'est autre chose. Quand on l'a fait la dernière fois, il faut voir comment on a été reçu, le sens unique. Enfin, vaut mieux ça qu'un piéton. Moi, je travaille place des Ternes. C'est ce qui se passe actuellement. On nous a créé des passages pour les piétons. Qui sont protégés par des barrières, etc., qui sont provisoires, certes, mais qui nous protègent. Sinon, c'est hyper dangereux. Là, c'est vraiment sur toute une longueur qui est assez longue. En plus, c'est pas un mètre, quoi, ou 5 mètres. Et c'est la charge de l'entreprise de mettre les piétons en sécurité. Je suis navrée. Il faudra le répéter plusieurs fois sur la longueur. Bon, ça n'a pas été évoqué ce matin, ça. Ce qui a été évoqué, c'est piétons traversés obligatoires pour qu'ils aillent sur un trottoir, qu'ils ne descendent pas sur la route, justement. Maintenant, matérialiser au sol quelque chose pour traverser, c'est pas possible parce que le chantier est mouvant, il bouge tous les jours, il n'est pas au même endroit. Donc, on ne peut pas mettre des peintures au sol. Des barrières, dans ce cas-là, il faut répéter 4 fois sur toute la longueur. Après, ils le bougent en fonction d'un... C'est leur responsabilité, en fait. Oui, absolument, c'est leur responsabilité. Parce que c'est clairement dangereux, quoi. Bon.
En tout cas, c'était vu ce matin. Ils sont censés faire le nécessaire pour que justement tout le monde soit en sécurité. Et ça va être rebouché en grande partie pour le week-end. Et la fin des travaux, c'est Olivier. C'est pas. Je pense que à l'heure de l'école, ce serait judicieux d'avoir peut-être la PM qui se balade sur cette portion-là pour vérifier comment ça se passe pour les piétons, parce qu'en fait, c'est un moyen assez efficace en général de valider ou pas la sécurité, parce que la PM a la possibilité de leur rappeler les règles de sécurité obligatoires dans leur chantier. Hein. C'est noté. De bande pour faire passer les piétons. Enfin, en tout cas, trouver des solutions pour qu'ils soient mis en sécurité. Oui. Je voudrais juste préciser et remercier Radia d'appuyer notre question. Après, sur la circulation des véhicules, il y a aussi un problème parce qu'il y a plusieurs endroits sur la chaussée où les véhicules ne peuvent pas se croiser. Je sais pas, moi j'y ai passé 2 heures ce matin, tout le monde s'est croisé sans aucun problème. Ah non. Ah bah si, j'étais 2 heures ce matin, ça s'est croisé, y compris bus. Mais ça dépend peut-être des heures. C'était pas une heure c'était 10 heures, donc c'était pas une heure de grande circulation. Ça dépend des endroits, mais il y a vraiment des endroits où 2 véhicules ne peuvent pas se croiser. Il y a l'un des véhicules qui est montant, en particulier, je pense, en haut de l'avenue, qui est obligé de s'arrêter pour laisser passer celui qui descend. Le seul endroit qui était pas où vous pouvait pas se croiser, il y avait un feu. Ce matin, donc. Non, je pense que. J'y étais ce matin, j'ai pas vu ça. C'est une question d'horaire. Moi, je pars très tôt, je rentre plus tard, et il n'y a pas de feu tricolore, moi, à mes horaires, par exemple. Non, le feu tricolore, il arrive à 8h. On est obligé de s'arrêter, on ne peut pas se croiser à deux. Et puis pendant le week-end, peut-être qu'avec les feuilles, c'est pas viable, pas possible. Roger. Oui, moi, je voudrais dire une chose. C'est des travaux, c'est pas facile à gérer. Néanmoins, il existe quelque chose depuis très longtemps, c'est le code de la route. Et le code de la route, il dit que quand vous avez un impact sur votre côté, vous devez laisser passer celui d'en face. À moins que vous soyez engagé. Je dis bien, à moins que vous soyez engagé. Donc, à l'endroit où ça ne passe pas, eh bien, celui qui a la barrière de son côté laisse passer celui d'en face. C'est la loi, c'est le règlement du code de la route. Sauf que parfois, à certains endroits, tu n'as pas la visibilité. Pardon, Roger, je comprends et on respecte, je pense, le code de la route. Sauf que quand tu arrives au virage, par exemple, en haut, tu n'as pas forcément la visibilité. Et donc, je rappellerai simplement que la route, elle est à 30 à l'heure. Et si vous roulez à 30 à l'heure, vous avez largement le temps de voir ce qu'il y a en face. Il faut mettre des contrôles dans ce cas-là. Je vais d'ailleurs leur demander pourquoi ils ne laissent pas les feux la nuit, d'ailleurs. Pourquoi ils ne laissent pas les feux la nuit? Oui, Laurent. Oui, deux choses. Oui, ça serait important de mettre des contrôles parce que moi, quand je suis passé, ça allait globalement. Hein, les gens, quand même, sont quand même assez intelligents et se laissent passer les uns les autres. Mais c'est quand même bien. Je pense qu'il y a des heures de pointe où c'est bien de mettre des contrôles. Et secondo, la question a failli être posée, j'ai l'impression. Mais quand doit s'achever ces travaux? On a une idée de la durée? La durée était de 3 mois, mais je ne sais plus quand ça a commencé, cette portion-là. Il y en a tellement que je ne sais plus. On n'est pas à 3 mois encore. Non, on pourra vous donner l'info éventuellement la prochaine fois, mais là, j'ai pas en tête. Olivier, oui. Pour répondre à votre question sur les contrôles, il y a des contrôles radar, mais vous ne les voyez peut-être pas, parce que l'APM, lorsqu'ils sont là, au bout de 10 minutes, tout le monde fait des appels de phare, et puis ça ne sert plus à rien du tout. Mais il y a des contrôles radar. Sur les contrôles radar, vous comptez aussi contrôler les vélos qui descendent à plus de 30? Non, on n'a pas les moyens humains, donc je vous raconte pas d'histoire, on va pas contrôler les vélos, non. Oui, on contrôle les vélos, mais on va pas faire un arrêt spécifique vélo, c'est compliqué. Les trottinettes aussi, et puis les gens qui courent vite aussi. T'es au courant quand même qu'un cycliste qui est contrôlé en état d'alcoolisation, on lui retire son permis s'il a un permis voiture. Donc si un cycliste dépasse la vitesse autorisée et que par ailleurs il a son permis voiture, il est aussi pénalisé de la même façon. J'entends bien, nous n'avons pas les moyens humains. Bah, donc il n'y a pas de contrôle spécifique vélo. S'ils en croisent un qui descend à 70, ils l'arrêteront. Est-ce qu'ils contrôlent les vélos? Non, ils ne contrôlent pas les vélos. Je ne vais pas vous raconter des bêtises, c'est pas possible. C'est pas... Bah, le jour... C'est dangereux quand même les vélos qui déboulent. Ouais, les trottinettes aussi, oui. Bon, en tout cas, la population, c'est vrai que c'est usant les travaux parce que ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui se sont succédés. C'est pour ça aussi qu'on commence à saturer.
Après, c'est vrai que ces derniers travaux, ils sont particulièrement pénibles parce qu'effectivement, on a un passage de feu et ensuite, on n'a pas du tout une libération puisqu'en fait, on ne peut pas se croiser et on est donc obligé de faire attention. Après, effectivement, la route, elle est limitée à 30 à l'heure. Donc, moi, je peux conseiller aux gens de respecter la limitation de vitesse parce que là, vous aurez tout le loisir de regarder. Et en fait, on arrive à circuler. Hein, oui, mais bien sûr. Même. Mais on va. On l'aura bien dit ce matin, ça va être. La question de sécurité va être suivie de près. Les PM, oui, je vous entends. Près, parce que moi, ce qui était marqué sur le mail que j'avais présence. Reçu, c'est qu'ils allaient valider des portions pour que le piéton soit en sécurité. Donc, c'est pour ça que je dis. C'est bien de l'avoir demandé, c'est mieux de le contrôler derrière. Parce que c'est parce qu'on a bien vu par le passé que c'est pas parce qu'on a demandé des choses qu'elles ont été faites. Toujours sur l'avenue Clémenceau, excusez-moi, les gens qui n'avaient pas de bateau et qui mettaient des... C'est plus votre question là, on débat. Non, c'est je continue sur l'avenue Clémenceau. Allez-y. Il y avait des bouts de bois qui traînaient pour permettre aux voitures de descendre sur la chaussée. C'est hyper dangereux si jamais vous prenez de travers. Est-ce que vous allez imposer aux gens de oui, enfin... Oui, ça a été aussi... les services techniques étaient là à deux ce matin, y compris Émilie, la secrétaire, qui a... Les courriers ont déjà été envoyés il y a quelques semaines, rien n'a bougé, et il y en a trois, d'après ce que j'ai entendu ce matin, où il faut refaire les bateaux voyés, oui. Donc il y a encore les bouts de bois, au moins deux adresses, je crois. Très. D'ailleurs, on va les enlever. Non, non, le courrier va partir, ça va être traité, parce que c'est dangereux, effectivement. Au niveau du 21 rue de Paris, des plaintes, tout le monde s'agace du fait de l'emprise de l'entreprise sur la chaussée, par la benne et les véhicules qui se garent, circulation déjà très difficile rue de Paris, dangereux, les piétons marchent sur la route malgré le fait qu'il y ait des passages pour piétons jaunes qui ont été peints sur la chaussée. Serait-il possible de demander à libérer l'espace et d'installer la base dans la cour arrière? La base est déjà installée dans la cour, donc oui, non. C'est pas possible parce que la benne ne rentre pas et le camion pour poser la benne rentre encore moins. Donc il n'y a pas de possibilité de rentrer la benne. Jusque quand les espaces publics vont-ils être occupés? J'ai interrogé l'entrepreneur. Les travaux sont prévus pour arriver à leur terme en septembre-octobre. Septembre, mais enfin, avec l'habitude, on s'attend à ce que ça dure un peu plus longtemps. Ceci dit, dès que les travaux vraiment à l'intérieur de qui génèrent beaucoup de gravats sont terminés, la benne sera de moins en moins importante, donc l'emprise sur la rue va être diminuée. Ça, c'est l'entrepreneur actuel qui me le dit. Après, les autres corps d'État, il n'a pas parlé pour eux, donc je ne peux pas vous dire si la benne et les travaux vont rester sur l'emprise de rue comme ça encore jusque septembre, octobre, ou si on pourra diminuer. En tout cas, l'information a été donnée et ils savent que c'est gênant. Ils l'entendent tous les jours d'ailleurs, parce qu'ils sont là toute la journée. Tout le monde sait que c'est pénible et le plus tôt possible, dès qu'ils pourront, ils diminueront l'emprise sur la rue. Oui. Au niveau du 21 rue de Paris, il y a effectivement des passages piétons, travaux qui sont peints sur la chaussée. Par contre, il n'y a aucune signalisation. Ça serait peut-être bien qu'ils mettent, je sais pas, passage piéton obligatoire ou quelque chose de ce type-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on retrouve sur la route et des enfants aussi, d'ailleurs. Donc, ça serait bien d'améliorer avec une signalisation. Si c'est indispensable, on le fera. Mais enfin, quand ils voient un passage pour piéton jaune, ils vont pas dessus. Je peux pas faire plus. Mais enfin, peut-être que c'est obligatoire de mettre une signalisation. Hein. Ah ben si c'est obligatoire, on va le faire. Oui, Anne, avec le micro, s'il te plaît. À un moment, il y avait des panneaux pour interdiction de stationner, notamment devant la boulangerie, en amont et en aval. Je ne sais plus s'ils sont là. Non, ils sont enlevés. C'était les sucettes, là. Pardon. Oui, non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, d'accord. Les gens peuvent se garer. Ah oui, oui. Okay. Parce que comme quand il y avait les panneaux, ils se garaient aussi, je ne sais pas si... Mais la réglementation impose de les mettre au moins 48 heures à l'avance. Donc, quand ça commence le lundi matin et comme les équipes travaillent au pire le samedi matin, ils les mettent des fois le vendredi après-midi, alors que tout le week-end, on peut se garer. D'accord, OK. Ça me fait pester, mais... C'est la réglementation dit que ça doit être mis en place 48 heures avant. Non, parce qu'une des choses dangereuses, en fait, par rapport au passage clouté jaune, parce que moi, je le prends quand je vais faire mon marché,
c'est comme il y a peu de place, bah les voitures, dès qu'ils peuvent, on peut comprendre, vont faire une petite accélération dans la partie étroite pour pouvoir passer, ce qu'on peut comprendre. Mais le problème, c'est qu'il y a pile poil, à ce moment-là, les gens qui décident de traverser aussi. Donc, ouais. Là, c'est comme disait Roger, c'est le code de la route, quoi. Quand il y a quelqu'un sur un passage pour piétons, on s'arrête. Peut-être aussi si la PM se place aux heures en journée de fort passage, tout ça, pour un peu calmer les gens. Si je peux juste dire une chose, il y a le code de la route, je suis d'accord. Je sais que ça a un peu agacé tout à l'heure Roger, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Le truc, c'est qu'il y a le code de la route dans des situations normales, et puis il y a le code de la route dans un environnement particulier. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Mais tu dois être respecté comme tout code de la route. Que ce soit sur rue de Paris. Oui, et après, la responsabilité, c'est de mettre en sécurité les piétons, surtout. Et voilà, c'est notre préoccupation. En réalité, le sujet, il est là. Ce n'est pas de critiquer ou quoi que ce soit. C'est juste de mettre en avant des situations qui peuvent être dangereuses. Les Viarmois l'ont exprimé beaucoup. Et de savoir comment on répond à ça. C'est juste ça. C'est de la faute à personne. Ce n'est pas une question. On est d'accord. C'est juste tenir compte de ce contexte qui est quand même particulier. On entend et on va faire le nécessaire. Pas de problème. Oui, Dominique. Quand on descend la ruelle du Four, on arrive en bas, on peut tourner sur la droite. Pourquoi ils ont bouché à gauche? Parce que si c'était ouvert, ça simplifierait le problème. Mais non, mais c'est l'entrée du chantier à gauche. Ouais. Pas complètement. Ah si, complètement. Non, c'est impossible. Oui, échafaudage, il passerait dessous, c'est pas possible. Utilisation des pierres des différents chantiers suivis des travaux pour l'église. Suite à la demande faite par le groupe d'opposition de récupérer des pierres et de les tailler, de distribuer des morceaux. On était avec Aude hier à la réunion de chantier. Donc les pierres, à ma demande, à la réunion de chantier précédente, ont bien été mises de côté. Enfin, de côté, elles sont là. Et elles attendent qu'on vienne les retirer. Donc il faut venir les retirer. Et puis après, il faudra surtout les tailler. Donc Grégory n'est pas là ce soir, il était OK pour le faire. Je vais me rapprocher de lui pour savoir comment ça avance. Préciser, c'est que les pierres les plus intéressantes sont parties. Ça, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y en a des belles, des très belles. Oui, mais elles sont carrées, alors que les plus anciennes sont celles qui étaient... Non, pas toutes. Pas toutes, c'est celles qu'on a vues hier, il n'y a pas que des... Non, c'est enfin, des pierres. Et puis c'est des pierres d'origine. Rectangulaires, alors que les plus anciennes... étaient celles qui étaient autour des abats sons et rondes et plus anciennes. Dommage. Ensuite, vous revenez sur la fontaine aux moines, j'ai déjà répondu, donc je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, que la DRAC devait revoir les travaux faits par l'entreprise non habilitée à intervenir sur les bâtiments classés avec les conséquences que l'on sait. Donc l'entreprise Sosso à Viarmoise appréciera vos propos. Je ne suis évidemment pas d'accord parce que les conséquences que l'on sait, non, on ne sait pas, puisque les hommes de l'art, c'est-à-dire l'architecte bâtiment de France et l'attaché de la DRAC sont venus et constaté que ça avait été fait dans les normes, donc il n'y a pas de conséquences désastreuses. Et par ailleurs, moi en particulier, je suis autant attaché à la qualité du patrimoine que vous. La preuve, c'est que depuis très longtemps, on n'était pas intervenu comme ça sur la fontaine aux moines. Depuis très très longtemps, personne n'était encore intervenu sur le clocher. Donc pour ce qui est du patrimoine, je crois que je n'ai pas de leçon à recevoir sur la qualité et le maintien de notre patrimoine. Et donc elle a été restaurée dans les normes, dans l'urgence qui a déjà été évoqué la dernière fois, c'est-à-dire par une entreprise qui, effectivement, n'est pas agréée monument historique, mais avec un courrier qui est parti concomitamment aux ABF, donc pas du tout caché ni fait par derrière. Et ils sont venus, ils ont constaté. Et vous avez parlé de linteau la dernière fois en béton, qui n'est pas du tout en béton, je ne sais plus ce que j'ai répondu la dernière fois. Enfin, vous revenez sur des sujets. Et je n'ai pas de nouvelles de la DRAC encore pour l'instant, donc je n'ai pas de choses à vous dire en plus. Ben, ils doivent revenir, mais quand ils veulent, on les recevra avec plaisir. Oui, et pour l'instant, pas de nouvelles à vous donner. Ensuite, question de Radia. Donc, ce ne sont pas mes questions, ce sont des questions qu'un administré m'a demandé
de faire remonter. C'est ce que j'ai reprécisé à Muriel. Il y a un petit côté gênant quand même de jamais avoir l'identité. Pourquoi se cacher comme ça? On se croirait sur un réseau social. C'est pas sur un réseau social. La personne m'a écrit par Messenger, m'a écrit par mail en me disant je souhaite conserver l'anonymat. Donc je ne sais pas en quelle mesure on pourrait nous dire, puisque les gens veulent se cacher, je ne sais pas si on peut. Alors moi, j'avais posé la question, parce que c'est mon premier mandat. Bah après, il faut respecter, c'est la personne, est-ce qu'elle a le droit ou pas. Moi, j'ai posé la question en tout premier lieu, il y a plusieurs mois, parce que je ne connais pas le process, c'est mon premier mandat. On m'a dit que des administrés, effectivement, c'est ce qu'avait fait Anna, il me semble, une première fois, pouvaient faire remonter des questions. Bien sûr. Déposer au conseil de manière anonyme ou non. Après, si c'est pas possible, vous me le dites, il n'y a pas de souci. C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est triste de se cacher, d'être anonyme. Pourquoi ? On parle, nous, on n'est pas anonyme. Elle fera le retour. Je l'invite à venir. Même vous avez des questions, je reçois toutes les semaines des gens. Si elle a le droit, il faut le respecter, je pense. Elle a aussi le droit, si elle a des questions à poser. Mais ce ne sont pas mes questions. C'est là aussi le droit. D'un Virmois ou d'une Virmoise. Elle a aussi la possibilité, si elle le souhaite et si elle a des questions, de venir me voir directement à mairie. Je reçois alors toutes les semaines. Notamment déjà. Cette personne vous a déjà rencontré. Donc, mais sur ces questions-là qu'elle souhaite poser au conseil, elle voulait le faire de manière anonyme. On peut juste respecter ça. Je lui propose de revenir à nouveau discuter avec moi. Donc, tu résumes la question ou je relis Donc, le problème est sur la rue de la gare, le nombre important d'appartements et de maisons qui ont été divisés provoque des gros problèmes de stationnement en pleine journée, plus de place pour se garer. Beaucoup d'autorisations d'indivision de maisons ont été autorisées par les anciennes mairies sans qu'il y ait eu de vérification pour les places de stationnement privatif. Et maintenant, des familles entières qui ont 2-3 voitures qui encombrent la voie publique, enfin, des problématiques qu'on connaît sur toute la commune. Nous ne sommes pas en zone tendue. Les propriétaires terriens de ce genre de maisons subdivisées sont donc dans l'obligation légale de proposer une place de parking privatif. Si tel n'est pas le cas, ils doivent payer une taxe ou une contravention. Je vous transmettrai l'intitulé exact demain. Est-ce que la personne t'a transmis cet intitulé exact? Donc, elle n'a pas transmis. Il va falloir solutionner ce problème. Les riverains n'en peuvent plus. Hugues. Bon, comme vous avez pu le voir, ce soir, on a pris une décision. On a pris une décision de rendre obligatoire une déclaration préalable de travaux pour toute division, ou notamment transformation d'un bien à usage qui n'est pas d'habitation, mais qui le deviendrait. Il y a beaucoup de quiproquos, les gens, parce qu'ils ont acheté une maison, ils pensent qu'ils sont propriétaires de tout et qu'ils peuvent le gérer comme ils veulent. Donc ça, c'est déjà la première grosse difficulté que l'on a. Comme dirait Olivier, on reçoit des gens tous les jours. Il en reçoit et j'en reçois aussi tous les jours. J'ai dû arrêter dans cette rue au moins 3 projets de division, déjà depuis que je suis arrivé. Un qui voulait transformer une grange en 4 appartements. Un autre qui avait divisé une maison en 2. Il pensait que le fait d'avoir fait passer un géomètre, c'était suffisant. Il faut rappeler les règles. C'est notre quotidien, on les rappelle chaque fois. Et puis après, il faut aussi faire des procédures. Et quand on part dans des procédures, malheureusement, ces procédures, elles durent. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour essayer d'aboutir. Donc on met en place des nouvelles procédures aussi. Hein. Mais effectivement, c'est un problème récurrent. Il y a la rue de la Gare, mais il n'y a pas que la rue de la Gare. Il y a plein d'endroits à Viarmes où les gens divisent... loup, sous-loup, et tout ce qu'on veut. Donc, on ira encore plus loin. Hein. On est en train d'étudier, et on le verra à la rentrée, avec l'instauration et la mise en place du permis de louer. D'accord ? Donc ça, voilà, on est en train d'y réfléchir, et on va essayer de le mettre en place. Alors, à chaque fois, il ne faut pas oublier que c'est du travail supplémentaire pour les services, pour les agents, pour les élus qui sont en charge de ces questions-là. Donc, ce n'est pas, c'est pas simple, mais depuis 3 ans, à ma connaissance, dans la rue de la Gare, il n'y a pas eu de division supplémentaire. À ma connaissance. Après, parfois, il y a des choses qui nous échappent. Mais, comment ? Après, il y a tout ce qui est non déclaré. Mais bon, moi, j'ai des dossiers aussi où ce sont les voisins qui se sont manifestés. Moi, toutes les personnes qui nous regardent ce soir, elles peuvent effectivement m'appeler, venir me voir, et je ferai une action contre les personnes qui n'ont pas, entre guillemets, joué le jeu, respecté les règles.
Mais effectivement, on n'est pas sur tout le monde, on ne peut pas être partout à la fois. Des dossiers, on en a plusieurs de contentieux qui sont en train de... Beaucoup de, oui, plusieurs, beaucoup, avec différentes choses. On a... Enfin, je réfléchis, mais je pense que j'ai dû casser 4 ventes au moins, rue de la Gare, avec des personnages très compliqués, où on n'hésite pas à nous insulter, à être un peu violent. Moi, ça ne me fait pas peur, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, donc, c'est pas vraiment... ça m'empêche pas de dormir, heureusement. Et on poursuivra, on continuera notre action, quoi qu'il arrive. Moi, j'invite tout simplement les gens qui ont un problème à venir nous rencontrer, monsieur le maire et moi, et on prendra en compte leurs difficultés. Et s'il faut mettre une action en place, on la mettra. Il n'y a pas de souci. Mais pour revenir à la rue de la Gare, il y a aussi un sens de circulation qui a été, je dirais, mis en place pour faire un essai. Et ce sens de circulation, normalement, si on va jusqu'au bout du raisonnement, elle va peut-être aussi nous amener à matérialiser des places de stationnement et peut-être en créer d'autres, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, chaque fois qu'on l'a fait, ça s'est pas bien passé. Donc c'est un sujet extrêmement compliqué. On est à combien de réunions de quartier, Michel ? Une dizaine ? Là, on est à 14. 14 réunions de quartier. C'est chaque réunion de quartier, c'est le problème principal. C'est la vitesse, c'est la circulation dans la rue, c'est l'urbanisme, c'est toujours ça. Et ça se comprend, hein, c'est le cadre de vie quotidien. Pas de solution évidente et pratique parce que quand c'est pas matérialisé au sol, on se gare comme on veut du moment qu'on n'est pas devant un bateau, vous voyez justement une entrée de maison. Quand c'est matérialisé, on respecte les règles du code de la route, je sais pas si c'est le code de la route d'ailleurs, mais on respecte les règles qui doivent être mises en place et du coup on diminue de manière drastique le nombre de places, donc ça convient pas non plus. Donc c'est très intéressant les réunions de quartier parce que les gens sont mis devant la problématique. C'est pas nous qui décidons, c'est qu'est-ce que vous souhaitez. Et on se rend compte qu'en discutant, au bout d'une demi-heure, c'est plus si sûr que ça de vouloir mettre des peintures au sol. Et c'est compliqué. Pour la rue de Paris, l'essai dont tu parles, depuis quelques jours, on a la rue de la Gare, pardon. Comme on pouvait s'y attendre, des vaguelettes sur les rues alentours posent peut-être des soucis, notamment les ruelles de la Nourrie. Donc on évaluera en fin septembre, à la fin de septembre, je crois, à la limite, si c'est pertinent ou pas. C'est un essai en attendant. Pour répondre encore aux demandes des citoyens qui étaient là à la réunion publique et qui ont demandé de faire l'essai, en tout cas de mettre en place pour voir ce que ça pouvait donner. Donc on surveille et on verra. En tout cas, nous, ce qui est sûr et certain, c'est que on a on est très 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 vigilant et, comme dit Hugues, on est en phase totale là-dessus. Il n'y a pas de dérogation et pas de division sans les parkings qui vont avec et les possibilités, en tout cas, offertes par le PLU. Oui, Laurence. Juste une question curieuse complémentaire sur la rue de la Gare. Mm-hmm. Pourquoi on l'a pas mis à sens unique jusqu'en haut? Pourquoi on ne l'a pas mis en sens unique jusqu'en haut? Simplement jusqu'au calvaire. La raison... non, ça a été une possibilité. Ça a été une possibilité qui a été évoquée. Pourquoi ça a pété par rapport à Champlâtreux et Nerval? C'était quoi le problème? Non, la question c'est pourquoi on ne met pas Pasteur avec, c'est ça, hein? Jusqu'à Pasteur. Pasteur inclus jusqu'au stop qui va à la gare. Non, ça a été en question les réunions publiques d'ailleurs. La mettre jusqu'au bout, jusqu'à Pasteur, et empêcher les gens qui sortent de la gare de prendre à droite en épingle à cheveux pour redescendre par la rue de la gare. Ceux qui viennent de la gare, pour le coup, eux vont être obligés de se taper tout Clémenceau et de remonter tout rue de la gare pour arriver à Champlâtreux. Alors que là, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, je sais plus. C'est peut-être pour ça, mais en laissant Pasteur à double sens, les gens qui viennent de la gare en voiture revont sur Champlâtreux et Nerval directement. Mais ça a été discuté, évoqué, oui, absolument. Bon, on verra en septembre ce que ça a donné. Juste pour une petite précision, parce que dans la question,
il est indiqué créer une place de parking. Je rappelle que ce n'est pas une, mais c'est deux. C'est-à-dire que quand on crée une nouvelle unité d'habitation, le PLU demande deux places de parking supplémentaires. D'accord ? Rue de Paris, maintenant, circulation à 200 circulations, au même moment, en même temps, enfin bon, donc 200 circulations. Pourquoi ne pas mettre tout simplement un feu tricolore de chaque côté ? Moins dangereux et plus fluide, les bus galèrent et frôlent parfois les personnes sur les trottoirs. En 2003, voir ça, c'est impensable. Il va vraiment falloir faire quelque chose qui s'aggrave, en gros, depuis les travaux du 21 rue de Paris, circulation devenue infernale. Bon, y a bien longtemps qu'elle est infernale le matin et en fin d'après-midi. C'est pareil, un certain nombre de discussions ont lieu. Alors, oui, je reconnais qu'avec le 21 rue de Paris, ça ne s'est pas amélioré. Ce sera probablement pire avec la gendarmerie, puisque les travaux sont d'une autre ampleur. Donc là, je n'ose imaginer la façon dont les travaux vont être organisés. Mais bon, nous, on est là pour rénover, relancer la commune. Ça ne se fait pas sans travaux. Tout ce qu'on fait à Clémenceau, c'est parce qu'on a un syndicat qui a des tuyaux qui pissent de partout. Dernier chiffre que j'ai en tête, c'est 50%, 55% Oui, mais enfin, on est les pires dans le syndicat avec Anières, mais je ne sais pas si Anières ou je ne sais pas où ils en sont. En tout cas, on a voilà, un litre d'eau sur deux qui est produit à l'usine part dans le sol. Bon, ben voilà. Donc la SEUR a décidé de taper un grand coup en 2023 pour améliorer le rendement du réseau à Viarme. Ben, ça ne se fait pas sans douleur. Alors, j'entends les problèmes de sécurité, mais c'est pénible pour tout le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Hein. Ils ont changé tous les compteurs rue de la Chenelle, avenue Jean Jaurès et rue Noire, ben, oui, c'est des problèmes, c'est des difficultés, c'est gênant, personne n'apprécie, nous non plus, parce qu'on le subit tous les jours aussi, hein. On habite à Viarme, mais c'est... Si, parce que les gens sont aussi agacés, on revient toujours sur les travaux, et j'entends bien que c'est pénible à supporter, oui, c'est... Mets ton micro, s'il te plaît, Radia. Sur ce que tu as dit tout à l'heure, pourquoi pas mettre des feux? Je crois que c'était ça, plutôt sa question. Des feux tricolores sur Saint-Rue de Paris, je sais pas, aux heures de pointe. Voilà, c'est une affirmation qui paraît comme ça intéressante. Et puis, alors maintenant, je vais te mettre en situation. Il y a donc actuellement, on va mettre en plus à cause des travaux, on va mettre un feu rouge avant le 21, puis un autre voilà, à la place du marché, par exemple, pour le truc. Et ben, aux heures de pointe, tu vas probablement avoir, quand tu viens de Carrefour, une file de 50 mètres. Donc, ils vont s'enquiller dans le boyau qui est en face du Crédit Lyonnais. Bon, et là, ceux qui arrivent dans le sens contre feu vert, ils passent comment? Donc, il n'y a pas de solution facile. C'est sûr qu'on met un feu rouge, ça va aller bien. Non. C'est pas aussi simple que ça. On le voit bien, chaque fois qu'on met quelque chose en place, il y a des ricochets sur les rues d'à côté où les gens hurlent. C'est compliqué quand on touche à un écosystème. Donc là, c'est le bazar. C'est la rue de Paris qui est en travaux, c'est pire. Même quand il n'y a pas les travaux, c'est un problème à des heures de pointe. C'est comme ça depuis des dizaines d'années. Ça s'aggrave parce que la circulation s'aggrave, enfin, augmente. Je rappelle qu'on avait aussi un objectif, mais... Je ne sais pas qui le fera, si ce sera fait, que ce soit par nous ou par d'autres, qu'une fois que le 21, que la gendarmerie sont rénovées, certains syndicats ont déjà prévu de faire des travaux en 2026, d'ouvrir la route du début à la fin pour changer toutes les canalisations qui fuient en permanence. La rue de Paris est totalement trouée de rustines, de fuites, de tout ce qu'on veut. Donc tout est bon à changer là-dessous. C'est 6 à 8 mois de travaux dans la rue de Paris, donc avec Clémenceau c'est encore à peine à hors d'œuvre. Mais une fois que ça c'est fait, requalification totale de la rue de Paris avec pourquoi pas, à condition de créer des zones de parking extrêmement proches, la suppression des parkings, des stationnements de voitures dans la rue de Paris avec les rues qu'on voit actuellement, c'est-à-dire 20 ou 30 à l'heure, donc toujours à double sens, parce qu'on me dit qu'il faut la mettre à sens unique aussi, mais bien qu'on me dise comment les bus vont revenir de l'autre sens. S'ils passent rue du Gaudron ou rue des Paniers, les bus, on n'a pas fini de rigoler. Donc, notre configuration de ville à nous fait que la rue de Paris ne peut être qu'à double sens. Maintenant, dans la modernisation et la création d'une rue de Paris toute belle, toute refaite, sans trottoir, comme on fait maintenant avec une circulation alternée, ça posera des problèmes de vitesse qu'il faudra évidemment contrôler.
mais on fluidifiera la circulation. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Il y a tellement de choses à faire en Cité Magnifique, il faut redonner du peps. C'est exactement ce qu'on fait. On passe nos journées. Alors, c'est vrai que beaucoup d'anciens Viarmois sont dégoûtés de la tournure que prend la ville. C'est moi qui ai envie de partir en courant quand je vois ça, parce que on passe notre temps et nos journées et nos semaines à justement vouloir redynamiser et refaire la ville. Et je vous invite, devinez quoi, ça passe par un tas de désagréments pendant un certain nombre d'années, oui. Je sais, je suis désolé. On ne redynamisera pas la ville, on ne fera pas des belles choses sans souffrir dans le quotidien. Voilà, j'en suis désolé, mais c'est comme ça. En tout cas, la volonté, elle est toujours là, et c'est pour ça que l'équipe est ici en place. Question suivante sur le plan d'exposition au bruit qui concerne l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors, Vilaine, c'est encore une question sans auteur. Vilaine Soubois, c'est toi qui as transmis, c'est ça, hein ? Vilaine Soubois en fait partie, pas. Et nous, à 4 KLM, à 4 km, nous ne sommes soi-disant pas dans le couloir aérien. Alors oui, un couloir aérien, par définition, à un moment, il s'arrête. 4 km ou 50 mètres, c'est vrai qu'à un moment, il faut bien qu'il s'arrête. Pour habiter rue de la Gare, à la moitié de la dite rue, nous entendons très distinctement les avions passer au-dessus de nous, avec parfois un bruit assourdissant. Il s'agit de demander à la préfecture de venir faire une inspection avec un sonomètre, par exemple, et ils constateront des désagréments quotidiens que nous subissons. Si nous rentrons dans ce plan, l'intérêt, c'est que l'aéroport, sous couvert d'un dossier, peut nous rembourser toutes les fenêtres et portes en double ou triple vitrage. Ça, Sylvie, je te transfère le dossier. Non, mais alors, à toi. Ce que je peux vous dire, c'est que la commission environnement intercommunale est déjà adhérente à tout ça. Donc, en fait, et en plus, à la REC, les gens peuvent adhérer. Moi, j'ai été adhérente... à titre personnel, donc j'engage les gens à cotiser à cette association, parce que plus on sera nombreux, forcément, plus on aura de prévention. Mais l'Interco rencontre ces associations, et en plus, l'Interco est convoqué régulièrement quand il y a eu des changements au niveau de Roissy, etc. Ils interviennent tout de suite, et là, en plus, on a dû adhérer à des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous, qui peuvent nous donner des informations. L'Interco donc, adhère à la REC subvention. Je vous ferai un topo la prochaine fois, je vous ramènerai un topo là-dessus. Est-ce que ça peut être l'objet d'une com Avant de faire la com, il faut qu'on maîtrise le dossier. C'est-à-dire pourrais savoir ce que c'est que ce plan est-ce qu'on peut rentrer dans ce couloir aérien pour profiter du plan qui permettrait aux gens de double ou triple vitrer leurs ouvertures? Ouais. Je suis dubitative quand même. Juste une petite chose. Les gens qui sont aujourd'hui remboursés, c'est des gens qui habitent Dugny, par exemple, ouais, qui ont des avions qui passent en ce moment au-dessus de leur tête à peu près à 30 mètres ou 40 mètres. Donc c'est vraiment des choses, c'est vraiment des gens, les zones qui sont très impactées. Ça existe, Sylvie. Oui. Mais moi, la seule chose qui me perturbe, c'est que le fait de rembourser des fenêtres va faire qu'il n'a plus de nuisances, c'est ça ? Ça veut dire qu'il vit enfermé chez lui, avec les fenêtres fermées. Bah, en fait, il y a des villes où ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça. D'accord. Donc j'espère que on ne nous remboursera pas des fenêtres, parce que ça voudrait dire que les avions vont passer au-dessus de nous. Est-ce que c'est notre cas ? Il paraît que les riverains du haut de la rue de la Gare et de Champlâtreux ont plus de nuisances que moi. Moi, en Gaudron, j'en entends passer. Moi, j'ai habité Baillet 10 ans. Je ne suis pas non plus. Suivant comment les vents étaient, les couloirs n'étaient pas les mêmes. Et on avait des nuisances. Et quand je suis rentrée à Viarme, franchement, tu vois vraiment la différence. Pour les gens qui sont en haut, forcément, ils ont les mêmes nuisances que les gens qui sont sur le plateau plus bas, plus loin. Donc, de toute façon, c'est un sujet dont il faut se préoccuper. Donc, ça vaudrait le coup que tu... Il faut être vigilant. Mais je vais voir si on peut... pour ce plan. Si on peut s'en préoccuper pour éviter qu'ils viennent chez nous. Hein, c'est très bien. Alors, éviter qu'ils viennent chez nous, ça... Et surtout qu'ils fassent de l'expansion. Qu'en fait... Olivier, plus les gens vont se mobiliser, plus les gens seront investis, parce qu'en fait, il faut quand même comprendre qu'on vit dans une société où il ne suffit pas de demander des choses,
il faut se bouger pour obtenir que les choses ne soient pas aillent dans notre sens. J'entends bien ce que tu dis, mais les enjeux sont tels pour un sujet comme celui-là, qu'il soit financier, qu'il soit au niveau du pays, c'est un enjeu économique extrêmement important. C'est pas Vierme tout seul qui va régler le problème. Donc il faut se rapprocher des associations. La prochaine fois, je ferai un topo sur ce que l'Interco fait déjà. D'important et de gros et de puissant, parce que sinon ça fonctionnera pas. À quoi on adhère, les administrations, etc., qui nous aident déjà à contrôler tout ça. Et ceux que ça intéresse, je vous rappelle qu'on peut de mémoire aller visiter à Roissy. Hein. Oui. S'il y en a qui sont demandeurs pour aller faire une visite à Roissy dans les terminaux, là où on ne va jamais d'habitude, c'est quelque chose d'organisable. Je pense que c'est très intéressant. J'y suis jamais allé. En tout cas, si tu peux nous faire le point la prochaine fois sur l'état du couloir aérien, comment on est considéré et s'il y a possibilité de, je ne sais pas par quel dossier à constituer, on peut rentrer dans le plan. Merci. Voilà pour les questions d'opposition. Vous m'avez interpellé tout à l'heure pendant... Oui, pardon, les questions de l'opposition, baf, lapsus révélateur. Je te charrie. Vous m'avez posé une question sur les décisions tout à l'heure. Vous vouliez intervenir. Je voulais savoir ce que représentaient les montants des dépenses de fonctionnement que vous indiquez pour l'EMM. Les 285 000 euros, c'est quoi ? Ce sont les salaires. C'est tout ce qui fait le fonctionnement d'un service. Donc il y a les salaires, l'électricité, l'eau, tout. D'accord. Les instruments qu'on peut acheter de temps en temps. Il y a longtemps qu'on n'a pas acheté, il me semble. Sachant que le bâtiment. Les locations. Le être pour. N'est pas utilisé que par le MM. Non, pas encore, non. Non, pas encore, puisqu'il y a le... Les Beaux-Arts et l'école de dessin. Donc c'est le bâtiment au être... Enfin, c'est le être pour, quel que soit l'occupant, plus les salaires du personnel de l'école de musique, plus les frais d'occupation rue Eugène Lair. Oui. Je pense que, alors j'ai pas vérifié comment avaient été rattachés les comptes au service école de musique, mais j'imagine que oui, c'est les frais de fonctionnement de toute l'école, mais ça coûte cher. Hein. Oui, non, mais c'est pas que l'école de musique, donc. Je pense que Élise a fléché par service. Donc oui, c'est probablement ça. Peut-être qu'il faut faire une vérification, c'est certain. Donc vous faites une quote-part en fond avec là-bas, vous considérez que toute l'électricité, c'est l'école de musique? Je vous donnerai le montant détaillé la prochaine fois, si vous le voulez bien. Ce que je peux quand même dire, c'est que nous fléchons, en point de vue analytique, toutes les dépenses, y compris les moyens généraux. C'est-à-dire que l'eau, le chauffage, tout ce qui est possible de répartir. Il y a une unité d'œuvre qui est retenue. Alors, je ne peux pas vous dire votre poupe comment c'est, si c'est le mètre carré occupé. Mais voilà. Mais ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que dans le montant pour l'école de musique, la plus grosse partie, pratiquement, je dirais les trois quarts, c'est les salaires. Voilà. Donc, ce que je veux dire, vraiment, c'est à la marge, hein, les moyens généraux concernant le bâtiment à proprement parler du être pourpre. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser. Mais je vous donnerai, bien sûr, je ramènerai le détail la prochaine fois, puisque je n'ai pas là. D'accord. À la question suivante, tiens, pour revenir dans la même idée que Dominique, à cuir, il y a un E en trop. Mm. Pascal. Tu peux nous faire un point, s'il te plaît, sur les événements à venir et puis ceux qui ont une intervention à faire. Je vais vous donner. Vous avez vu dans vos dossiers une liste, un tableau qui recense un petit peu tous les événements qui vont avoir lieu au cours du mois de juin jusqu'au mois de septembre. C'est des événements culturels, festifs et sportifs. Mais auparavant, je voudrais juste faire un petit retour sur le samedi dernier, puisque samedi dernier, à l'école de musique, on a eu un très bel après-midi, à la fois dans le parc du Être Pourpre, avec une balade, une déambulation contée, avec des poèmes et des musiciens. C'était vraiment très, très agréable. C'était sur le parcours donc Olivier Messiaen. Ensuite, on a eu un spectacle de théâtre musical, Moi, l'enfant roi, qui était très drôle et très pédagogique. J'avais rarement vu Olivier rire autant samedi dernier, hein, on s'est bien amusé. Et puis la soirée a continué jusqu'au concert disco. Pendant le concert disco, donc le MM a mis le feu au être pourpre. Et la pluie qui s'est déclarée un tout petit peu plus tard n'a pas réussi à l'éteindre, puisqu'en fait, il y a eu trois rappels. Enfin, c'était vraiment très, très agréable.
Donc félicitations à l'école de musique, à sa directrice, aux professeurs et aux élèves qui ont chanté notamment. Oui, donc c'est peut-être évident, mais c'est quand même les arrangements ont été revus et corrigés par Corinne oui. Ferron. Les musiciens étaient de l'école, c'était pas un DJ qui mettait du disco. On est bien d'accord que c'était un travail fait par l'école de musique. C'était très impressionnant et on s'est rendu compte que dans les chœurs de l'école de musique, il y avait vraiment de très très belles voix. Il y avait notamment des jeunes filles qui ont chanté merveilleusement. Enfin, c'était très agréable. Donc à Viarme, on a le sens de la fête. Et le sens de la fête, ben, ça continue demain. Puisque demain, on a une projection d'un film au parc de Toute-Ville. Dans le cadre de Ciné d'été, c'est organisé avec la communauté de communes. Donc à partir de 20h30, vous pouvez venir et il y aura des animations, un peu d'animation musicale et il y aura des espaces de restauration. Et puis à partir de 22h, bah le film de Toledano et Nakash sera diffusé à partir de 22h avec, je crois que c'était un des derniers films de Jean-Pierre Bacri. Avec Gilles Lelouch et Jean-Paul Rouve, et c'est vraiment une bonne tranche de rire. Donc n'hésitez pas à venir. Ce week-end, il y aura aussi musique et poésie à la médiathèque Anne Langfus sur le thème des fables de La Fontaine. Également, là, un événement sportif samedi 17 et 18 juin sur le pas de tir à l'arc. On attend près de 170 archers, donc ça va être une très belle rencontre, une très belle réunion de compétition. Ce week-end, vous avez aussi le tournoi de foot de l'OVA qui continue avec des très jeunes. Ensuite, ben c'est la fête de la musique. C'est mercredi 21 juin, ou jeudi 21 juin. Donc là, ça se passera à la fois au Être Pourpre avec l'école de musique et au théâtre de Verdure. Ensuite, la semaine d'après, c'est le gala de danse de l'école de danse du Pays Viermois, les 23 et 24 juin. Et puis après, on se projettera en septembre. En septembre. Ouais, c'est un mercredi. Ouais, c'est ça. C'est mercredi. Ouais, c'est jeudi. C'est mercredi 21 juin. C'est mercredi et l'autorisation jusqu'à minuit, pas minuit 30. D'accord. Je surveillerai. Très bien. Ça débordera, je suis sûr. Et puis deux informations. Donc le forum des associations aura lieu le 9 septembre. Les journées du patrimoine, les 16 et 17. Et puis, je l'ai appris hier, la Carnet-Loise se déroulera le 17 septembre. Comment ? Bah ouais, tu m'en aurais voulu, je suis sûr. Bah, j'avais pas parlé. Ah, d'accord. Une question, si vous arrêtez à minuit, les lumières seulement à minuit et demi ? Éteindre les lumières. Ah, les lumières, oui, parce qu'il fera pour nuit à rentrer. Minuit. Ah, bah, oui, c'est une bonne idée. Oui, je pense qu'il n'y a qu'une horloge à. Qu'est-ce qui peut noter ça ? Maxime, vous notez ça, que je pense à le demander ? Oui, d'ailleurs qu'une horloge a changé. Enfin, on va rallumer pas toute la ville, mais le secteur, quoi. Il y a, oui, d'ailleurs une horloge à régler. Dans la mesure du possible, oui. Merci Pascal. Dans ce sens-là, est-ce que Michel, Roger, pas de commentaires, Valérie, Hugues? Si, moi. Oui. Oui, Valérie me faisait remarquer une petite info aussi concernant donc l'EHPAD. Donc il y a eu la commission de sécurité où tu es allé, je crois. D'où l'explication avec la borne incendie. Donc normalement le transfert des résidents se fera fin septembre, puisque Monsieur Izard, le directeur de l'EHPAD, ne veut pas, je dirais, le faire pendant la période juillet-août. Puisqu'il y a moins de personnel. Et puis, il y aura peut-être aussi, il a l'intention de demander aux familles qui le peuvent d'aider aussi dans le transfert pour les effets personnels et ainsi de suite. Donc, pour la mise en place, ça paraissait un petit peu trop juste en termes de délai.
Donc voilà, donc normalement la date n'est pas arrêtée, mais il m'a dit que ce serait donc fin septembre normalement. Pour parler d'autres choses, de la gare notamment, puisque j'ai eu une remontée d'informations par une personne qui se rend habituellement à la gare, me faisant une remarque judicieuse, à savoir qu'il y a un défibrillateur qui est à l'intérieur de la salle de la gare, qui est fermée. Donc ça veut dire que ce défibrillateur n'est pas accessible aujourd'hui. Alors, j'ai posé la question de savoir s'il était intéressant de le déplacer, de le mettre à l'extérieur, mais comme je vous l'avais expliqué, normalement, il est prévu une ouverture et fermeture à distance de la gare. J'ai eu confirmation que c'est en train de se préparer et que vraisemblablement, assez rapidement, on aura donc cette ouverture-fermeture à distance de la gare. Pour la gare toujours, vous avez pu remarquer qu'on avait installé enfin des toilettes qui ne sont pas encore opérationnelles. C'est fou comme il faut du temps, le permis était déposé il y a 3 ans. Voilà, donc les raccordements sont faits, mais il faut maintenant qu'il y ait une personne de la SNCF qui puisse certifier du bon fonctionnement de ces toilettes, le certifier, ainsi de suite. Donc on m'a promis ça dans le courant de cet été, mais avec là aussi toujours pas de date. Je les ai sollicités pour le parc à vélo, qui n'a plus aujourd'hui. Hein, on veut prôner le déplacement vélo et autres, mais aujourd'hui, il n'y a même pas d'espace, il n'y a même pas d'endroit où pouvoir les poser. Donc c'est pareil, ça fait 1 an que j'ai posé la question, ça fait à peu près 1 an que j'ai reçu donc, les personnes qui sont au sein de la SNCF, qui c'est eux qui organisent, qui gèrent et qui planifient les installations de ces parcs à vélo. Donc l'idée, ce serait d'avoir des parcs à vélo, une partie comme elles le font, c'est-à-dire fermée, sécurisée, et une partie ouverte. Donc voilà, donc c'est à l'étude, mais c'est dans les tuyaux, comme on dit. J'ai toujours d'excellentes relations avec les personnes de SNCF, donc il n'y a pas de raison. On améliore les choses au fil du temps, mais avec l'exemple des toilettes, vous avez pu comprendre que le temps, c'est un facteur très important. Voilà. Petite remarque, l'ouverture à distance de la gare ne réglera pas ton problème de défibrillateur. Bah si, parce que ça sera ouvert pendant toute la journée. Oui, mais si... Bah, la nuit, c'était déjà fermé avant aussi. Hein. D'accord. Parce que là, elle est ouverte toute la journée. Elle est fermée la journée aussi. Là, actuellement, d'accord. Elle est fermée. D'accord. Ok, j'ai pas cette info. Merci, Hugues, Valérie. Non ? C'est bon, Hugues a pris... Fais un point église, Roger. Oui, bah sur l'église, je n'ai pas grand-chose à rajouter de ce qui est passé dans la source dernièrement. La seule nouvelle, c'est que le 23, si j'ai bien compris, la cloche nous revient. Et on la mettra à l'intérieur de l'église en attendant qu'on fasse une bénédiction et qu'on la remette à sa place dans le clocher. Ça se fera probablement fin septembre ou octobre, juste avant la fin des travaux. Qui sont toujours attendus. Ouais, ils commencent à annoncer un petit peu octobre, novembre. Hein. Oui. Enfin, ça travaille bien, c'est un chantier vraiment spectaculaire et c'est magnifique, ce qu'il y a là-haut. Et en ce moment, elle est totalement, les tuiles sont levées, il y a les charpentes sont à nu. C'est vraiment un endroit... Je ne sais pas s'il y en a qui veulent venir pendant un jour, une réunion, si on peut emmener une ou deux personnes. J'ai pas beaucoup plus, parce que c'est des réunions de travail quand même, mais au moins, franchement, c'est... Enfin, autre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un beau chantier, un bel endroit là-haut. Par ce temps-là, on y est vraiment, vraiment en extase devant ce qu'il faisait il y a 150 ans. Ce que je peux rajouter, Olivier, dans ma carrière, j'ai fait vraiment des beaux chantiers. J'ai même travaillé au Petit Palais. Mais ce chantier de l'église me tenait à cœur et je ne regrette pas d'être là-haut. Toutes les semaines, Roger, il est en haut. C'est un bel édifice. Mm-hmm. Ok. Sarah, oui. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier ici tous les anciens et élèves qui se sont manifestés lors des élections il y a 2 ans pour devenir membre du CME.
Voilà, leur mandat s'achève par la cérémonie du 18 juin, mais c'est bientôt, c'est pour ça que j'en parle. Donc on les a remerciés, on les a fait venir en mairie, on les a remerciés lors d'un précédent conseil municipal extraordinaire. Voilà, donc le prochain CME, les élections auront lieu le 2 octobre. Donc ben voilà, si vous avez des enfants, si vous êtes devant votre télévision, si vous habitez Viarmes et si vous voulez qu'ils deviennent aussi membres du prochain conseil municipal des enfants, bien n'hésitez pas à leur en parler déjà dès maintenant. Ensuite, n'oubliez pas non plus le vendredi 30, il y aura la kermesse. Voilà. Le lendemain, un bal pour les CM2. Il y a aussi le 30, je crois, le 29 et le 30, une expo à la maternelle pour les parents qui ont leurs enfants à la maternelle. Et puis, je voulais aussi finir par le multi-accueil qui a fait sa petite fête de fin d'année. Et je voulais remercier Céline Cordet et toutes les jeunes femmes qui travaillent avec elle, les puéricultrices, et puis aussi l'infirmière. Ils se sont beaucoup investis pour faire de cette petite fête un moment de convivialité où les parents se sont retrouvés avec leurs enfants. Voilà, et autour de jeux, d'activités, c'était très sympa. Et donc, je remercie le multi-accueil. Moi, je vais vous présenter les activités comparatives de la police pluricommunale de Viarmes. Donc, ça sera en deux temps. Je vais vous donner les valeurs du 1er janvier au 31 décembre 2022, avec les valeurs du 1er janvier au 15 juin 2023. Donc, il y aura deux valeurs à chaque fois pour faire un comparatif. Donc, au niveau de la sécurité routière, donc en 2022, il y a eu 262 infractions. 2023, 169. Quand je dis 2023, donc c'est bien sur les six premiers mois. D'accord ? Ça viendra, mais là, ils sont sous effectif total. Et, retraiter les tableaux, il y a du mal. Là on a entendu la dernière fois la demande qui a été faite, mais là, on vous donne des infos parce qu'il fallait qu'on vous en donne, puisque vous êtes demandeur. Mais pour l'instant, Eric, il n'a pas le temps de passer des heures à retraiter tous ces documents. Il t'a donné, ça m'en reviendra à cette solution. Dans six mois, vous aurez l'année entière. Donc, stationnement arrêt en 2022, il y en a 147, 2023, 133. Vitesse 42 2022, 4 en 2023. Règles de conduite administrative, c'est tout ce qui est infraction, permis de conduire, stop. 69 en 2022, 28 en 2023. Ceinture, casque, 3 2022, 1 2023. Divagation animaux, 1 en 2022, 3 en 2023. Pour la prévention, opération tranquillité vacances. 36 en 2022, 14 en 2023. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est opération tranquillité, c'est pour les gens qui partent en congé, ils avertissent la PM, et puis la PM passe deux fois par jour proche de leur domicile. Bien. Donc 14 actuellement, c'est normal, hein, parce qu'on n'est qu'au mois de juin. Et j'ai bien expliqué, Michel, ça va ? ASSR1. Et deux au collège. Il y en a eu un en 2022 et un en 2023. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est attestation sécurité routière pour les 5e et les 6e, pour une durée de 3 jours. C'est bien ça ? Obligatoire. Permis piéton. Donc, en 2022, il n'y en a pas eu. Il y en a eu un en 2023. Intervention. Donc, le nombre total d'interventions. 279 en 2022, 399 en 2023. Nous sommes qu'à 6 mois de l'année. Donc, dans les interventions, c'est appel des administrés ou appel de la gendarmerie lorsqu'ils n'ont pas le temps de se déplacer. De tout. Ça peut être une nuisance sonore, ça peut être. Dès qu'il y a un administré qui appelle l'APM, en fin de compte, ça peut être n'importe quoi. Mets ton micro, s'il te plaît, Radia, parce que les gens qui nous écoutent.
perdre du temps à Eric ou à l'APM, c'était de voir ce qui pouvait, tu sais. C'est pas une perte de temps, c'est le fait de générer tout ça non, qui mais prend du temps prend pour du l'instant. Temps. Je sais que ça prend du temps de faire ça, j'ai conscience de ça. Mais l'idée du comparatif, c'était de voir justement qu'est-ce qui. Tu vois, si la situation était mieux au niveau sécurité, est-ce que les cambriolages, les agressions, est-ce que c'est mieux, moins bien. L'idée, c'était ça. Donc là, on voit que ça augmente beaucoup dans ce que tu viens de dire. Mais après, c'est quoi il y, a des valeurs qu'on n'a pas le droit de donner en conseil municipal. Non, on a des valeurs de la gendarmerie qui sont interdites de divulguer ici. Non, mais on peut, est-ce qu'on peut se dire on peut avoir un pourcentage qui a augmenté, les agressions à la personne, je sais pas. On peut avoir un pourcentage, non ? Mais là on peut voir donc quand même au nombre d'interventions. En 2022, il y en a eu 279. Et là, 6 mois en 2023, on est déjà pratiquement à 400. C'est ma question. C'est pourquoi, qu'est-ce qui fait cette augmentation ? Non, mais c'est quoi la source, les motifs. Je ne crois pas que ce soit illégal de dire. On a fait 20 interventions pour agression sur la personne, 3 interventions pour cambriolage. Je vais venir, j'ai pas fini encore là. J'ai pas fini. Ah, c'est ça. Là, c'était l'homme total. D'accord. Là, je vais venir gentiment. Le pourcentage. D'accord. Ok. Donc, donc, on peut dire que la PM, quand même, travaille très, très bien. Quoi. Et les gens appellent la PM. Donc, ça, c'était le nombre total d'interventions. Donc, après, je détaille. Donc, différence, violence intrafamiliale. Il y en a eu 1 en 2022. 3 en 2023. Accident de la circulation, 5 en 2022, 7 en 2023. Ça, c'est des accidents matériels ou corporels. Tapage, 12 en 2022, 16 en 2023. Ivresse sur la voie publique, il n'y en a pas eu en 2022, et 2 en 2023. Risque, c'est les bagarres. Il y en a eu 1 en 2022 et 1 en 2023. Mise à disposition de l'OPJ-TC. Donc l'OPJ, c'est l'Office de police judiciaire territorial compétent. 43 en 2022, 32 en 2023. Voilà les chiffres que je pouvais vous donner ce soir. Et sur les cambriolages. Pardon, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les cambriolages, parce qu'on avait parlé justement d'extinction des feux, enfin de la lumière le soir jusqu'à. À partir d'une certaine heure, des personnes disaient oui, mais ça va augmenter l'insécurité, etc. En fait, est-ce qu'on sait si... On s'est donné un an pour... Oui, mais comme on a des chiffres à 6 mois... Eh bien, ça fait partie justement de ce qu'évoquait Didier, et ce qu'il faut absolument que j'éclaire avec la COB et le lieutenant. Par exemple, il y a eu, je ne sais pas si c'est dans ces chiffres, il y a eu un certain nombre de vols de véhicules, commencé par chez moi, par le mien. Un certain nombre de vols de pots catalytiques, tout ça. On s'est rendu compte dans la résidence que dès que les lumières étaient coupées, bah, les gars ont débarqué, ont cassé des véhicules, ont cambriolé ce qu'il y avait dedans, mais c'était vraiment juste à l'extinction des feux. Alors c'est pour ça que ça m'aurait intéressé. On s'est donné un an pour faire le bilan. Quand est-ce qu'on a éteint d'ailleurs ? 23 octobre. On verra ce qu'il en ressort, mais le lieutenant qui lui-même n'était pas, j'ai cru comprendre, un fan de l'extinction des feux, du fait de l'impact qu'il peut y avoir sur certaines caméras qui ne sont pas capables de prendre des photos la nuit, il m'a confirmé que ce qu'on savait déjà, enfin ce qu'on avait déjà lu, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre la délinquance et l'extinction des feux. Chez nous, au moment où on a éteint, il y a eu pas mal de choses, donc oui. On commence à se dire c'est ça sent pas bon. Mais c'est peut-être plus un hasard, c'est des bandes qui tournent. Là, en ce moment, il n'y a plus rien, par exemple. Enfin, moi, j'ai pas connaissance. Mais il y a 2 mois, il y a eu 3 ou 4 pots catalytiques sur Asnières, autant chez nous. Oui, mais alors, il faut savoir, des par vols exemple, de bagnoles, que les pots catalytiques, moi, j'ai un ami qui est garagiste, on lui a volé avec des grands flashs. Hein. Ils ont été filmés et les gars, ils s'en fichent. Hein. Ah, ils passent par-dessus, ils viennent, ils prennent tous les pots catalytiques qu'ils peuvent et ils s'en vont. Donc en fait, c'est pas le noir qui les... Ça fait voler un camion au centre technique. En fait. Non, il y a pas mal de... C'est pas bon quand même, hein, au niveau de... Alors il y a des chiffres qui ne baisseront pas, qui augmenteront même, puisqu'ils font le travail. Donc forcément, quand on fait des contrôles aléatoires de vitesse ou des contrôles d'alcoolémie, on découvre des cas qu'on ne trouve pas, évidemment, sauf drame, si le travail n'est pas fait. Donc, s'il travaille bien, on devrait avoir plus de cas, sauf à ce que plus personne ne se mette à conduire au volant, et si seulement. Ah, pardon, à boire au volant. C'est bon, Didier ? Oui. Non, sinon, après, je suis d'accord comme toi, parce que j'ai les valeurs de ce que tu me demandes, des cambriolages, des vols, tout ça, mais incompréhensible de ne pas pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, on verra peut-être avec le lieutenant après. On ne pourrait pas en parler, on en a parlé avant. La proportion du nombre de cas. Les valeurs, je les ai.
Ok, d'accord. Merci Didier. Et Sylvie. Juste, oui, Sarah. Bah voilà, en fait, j'ai oublié de dire, Monsieur Choulac s'en va et donc quitte le collège. Il est un remplaçant, donc simplement le remercier des quelques années qu'il a passées à Viarm. Voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois et qui voilà, est-ce Monsieur Choulac. C'est le directeur le principal du collège. Le principal du collège de Viarm, Blaise Pascal. Oui, et je le remercie aussi parce que j'ai toujours eu un bon accueil et on a eu des échanges très constructifs et je le remercie et lui souhaite une bonne suite de carrière. Oui. Merci Sarah. Sylvie. Oui, je vous fais un petit point sur les retours de thermographie. Déjà, je voudrais vous signaler que au 30 juin, vous avez un bulletin qui a été proposé dans la dernière source et vous pouvez aussi trouver le bulletin d'inscription en ligne sur le site de la mairie pour vous inscrire encore à la thermographie, la deuxième vague qui aura lieu sur l'hiver 2023. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour ceux qui n'auraient pas fait encore ou qui ne regrettent pas de ne pas s'être inscrit ensuite. Cet après-midi, on a fait la première restitution des... Est-ce qu'on a une réponse à ce sujet-là, si on s'inscrit, ou est-ce que c'est... Quand c'est fait, on attend? Alors, en fait, vous allez avoir une première... En fait, pour l'instant, on valide jusqu'au 30 juin. On rentre les inscriptions. Je pense qu'après le 30 juin, une fois qu'on aura tout le monde, on vous fera un petit mail pour vous dire qu'on a bien reçu et pour vous donner des informations, vous dire, en fait, à quelle période on reviendra vers vous. Sachez que les chèques ne seront évidemment encaissés que quand l'opération sera réalisée. Puisque c'est au trésor public, ça sera encaissé que quand ça sera réalisé. Tu t'es inscrite pour l'année prochaine, c'est ça? Non, cette année-là. Elle attend sa réponse, là. Oui. D'accord. Bah si, ça va. T'es inscrite, aujourd'hui, en mairie, il y avait combien de personnes sont passées en mairie? Tu t'es inscrite, Laurence? Pardon? Tu t'es inscrite? Oui. Mais comme on n'a aucune nouvelle, moi, je me suis inscrite. Non, non, tu as déposé ton inscription et pour l'instant, on n'a pas fait de retour aux citoyens, puisqu'au 30 juin, en fait, on aura rentré tous les mails et je pense qu'on fera un mailing à toutes les adresses parce que là, en fait, on crée le tableau aussi des gens qui se sont inscrits pour pouvoir communiquer avec vous d'une façon plus claire que la première fois. Donc, cet après-midi, on a eu 3 heures de restitution en mutualisation avec des maisons d'Asnières puisque le site Solia avait souhaité qu'on fasse une mutualisation. Et je peux vous dire que le monsieur n'a pas chômé, parce qu'en fait, il n'a pas décollé de sa chaise de 2h à 5h15. Et on fera la deuxième partie de restitution samedi matin. Donc, je remercie les gens pour leur patience, parce que c'est vrai qu'ils ont 2 personnes à voir, et qu'en fait, ils arrivent par tranche d'une heure. En fait, je pensais avoir au moins 4h, j'en ai que 3. Donc, j'ai réparti l'ordre alphabétique sur 3. Et donc, les gens arrivent, et on va leur donner des tickets, et il va falloir prendre son mal en patience. On vous offre le café. Sachez que c'est ça la bonne nouvelle. Mais sinon, les gens sont très contents en fait du retour, de rencontrer le technicien qui a fait les photos, qui peut vraiment bien, bien détailler et rassure beaucoup les gens déjà. Il y a même des gens qui sont repartis, qui n'avaient pas besoin de voir l'organisme derrière. Et les gens sont aussi très contents de voir l'organisme derrière parce que ça leur donne des pistes et une sécurité. Parce que c'est un service public qui ne vous vend rien. Donc en fait, c'est des gens qui vous donnent des conseils et... qui vous accompagne et ensuite qui vous recommande de prendre un rendez-vous plus précis si vous avez vraiment l'intention d'engager les travaux. Ouais, c'est un vrai succès cette affaire. Hein. Oui. Combien de maisons ont été faites? On a fait 105 maisons la première fois. On avait dit qu'on ferait 100 maisons, on a fait 105. Et là, en fait, je ne sais pas où on en est. On était à 85 inscrits, mais il y a à peu près 3 semaines. Donc très bien. Je connais que je fais qu'en général, c'est le dernier mois. Donc il y a des gens qui risquent de faire l'inscription que là, dans le dernier mois. C'est pour ça que je rappelle aux gens... qu'ils n'oublient pas de s'inscrire et de déposer leur dossier. Ok Sylvie, tu as un autre sujet? Non, c'est déjà bien. Si samedi après-midi, je fais un atelier à la potagère à 15h, excusez-moi, j'ai un autre sujet. Donc samedi matin, je suis en thermographie, samedi après-midi, je suis à la potagère. Et nous ferons un atelier sur l'utilisation de l'eau et les économies d'eau qu'on peut faire au jardin. Voilà, donc vous êtes les bienvenus à la potagère rue Gambetta. Dominique, tu as un point, une intervention? Bonsoir, je voudrais juste dire quelques mots concernant l'anniversaire du jumelage, parce qu'on n'en a pas parlé encore. C'est bien sûr paru dans la source. Hein, il y a une double page où les gens voient le compte rendu. On a reçu un excellent accueil.
Bon, ça s'est fait dans le cadre du pacte d'amitié. Donc, il y avait beaucoup de Viarmois, il y avait quelques Amirois et puis quelques personnes de Coutigliano. Coutigliano, c'est en Italie. Donc, on nous avait préparé beaucoup d'attractions différentes. Il y a eu des soirées dansantes, des spectacles qui ont été faits à la fois par des Viarmois, des Italiens et puis des Irlandais. Et maintenant, c'est à nous d'organiser l'anniversaire du jumelage qui ressemble à Viarme, le 25e cette fois-ci, qui sera vraisemblablement au mois d'octobre 2024. Mais le comité de jumelage commence déjà à travailler puisqu'il y a des demandes de subventions à faire à l'Europe et ça nous donne beaucoup de travail. Voilà. D'autre part, on essaie de relancer les séjours de jeunes en Irlande, donc aux portes ouvertes des associations au mois de septembre. Les gens qui seront intéressés pourront se faire connaître. Maintenant, il faut savoir que les prix des billets d'avion ont beaucoup augmenté, les transports aussi, donc on sera certainement obligé d'augmenter nos tarifs. Voilà. C'est tout. Merci Dominique. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous transmettre la liste des jurés titulaires pour les cours d'assises de Pontoise pour la session 2024. Les heureux élus sont... Alors, Pierre Autin, Christophe Boyer, Laurence et fils, Catherine Guillaumet, épouse des Roches, Alexis Dorle, Patrick Ferraud, José Gazamans, Nadège Le Carpentier, Corinne Méquignon, épouse Péchineau, Delphine Kerébel, épouse Perrotin, Ariane Dang Thuyette Anne, épouse Serre ou Serres, et Nicole Garbe, épouse Vingegaard. Voilà, 12 heureux élus qui seront peut-être convoqués à une séance des assises, enfin d'ici ou pas. Mais entre être sur cette liste-là, être appelé et ensuite être juré, il y a tout un tas d'échappatoires, malgré l'expérience unique que ça pourrait, à mon avis, représenter, puisque moi, je suis allé jusqu'à la porte du procès et je me suis fait... Enfin, j'ai pas été tiré au sort, en fait. Je me suis pas fait éjecter par un avocat, j'ai même pas été tiré au sort. Mais enfin, j'ai été passé 3 heures... Non. J'ai été passé 3 heures au tribunal. J'ai terminé. Est-ce qu'il y a des interventions, des annonces, Aude? Je voudrais signaler un trou sur la RD 909 après le pont. En montant? Oui. Encore? Oui, à côté de celui qui a été rebouché. Toujours à côté de PIV, ce qui avait été rebouché l'année dernière se recreuse forcément puisqu'il y a toujours l'eau qui arrive. Donc là, ça fait 20 cm. C'est sur le domaine de la commune. Le pignon du CTM coupe et se casse de plus en plus. J'en avais parlé quand M. Rouillet était maire. Et le pignon qui donne sur la route, là? Sur l'avenue Kennedy. Oui, il se dégrade, oui, effectivement. L'électricité, je vous en avais parlé il y a une semaine, elle est toujours allumée. De où? Au CTM. Non, je vous envoyais un mail en plus, mais enfin, c'est l'argent de la commune qui des administrés qui ne sert à rien. Par contre, vous n'avez pas vu Champion-Mazy la nuit dernière. Champion-Mazy était allumé toute la nuit. J'ai été prévenu par un administré qui habite là. C'est pas nous qui payons, en principe, Champion-Mazy. Non, c'est pas nous, mais c'est du gâchis quand même. Oui. Bah, par contre, ce qu'il faudrait peut-être, c'est tondre aussi Champion-Mazy. Ça, le président de l'administration est-il parmi nous? Voilà. Et puis tailler correctement les tilleuls, parce que d'un côté, c'est quand même du n'importe quoi. Voilà. Et rue de l'Étang, j'avais suggéré qu'on mette un CD le passage, ce qui serait logique après la rue Jean 23. Rue de l'Étang, un CD le passage, en haut de la rue... Quand on arrive sur la... Alors là, je ne sais pas exactement si c'est... Rue de l'Étang et Jean 23, ça ne communique pas, ça. Laquelle? Celle qui monte? La rue de l'Étang, c'est celle qui est près de l'Étang et mm-hmm. qui arrive sur, je ne sais pas ce que c'est encore, là, c'est Clémenceau, là, ouais. Juste après être mais passé. Mais puisqu'on parle de la rue de l'Étang, vous avez vu les messages qui sont passés sur la petite ruelle où ils ont cassé les poteaux, là? Oui, oui. Vous êtes intervenu là-dessus? On est intervenu. Si je peux finir, Sylvie. Oui, excuse-moi, c'est parce que je pense à la. Étant donné que la rue Jean 23 est à céder le passage, il serait peut-être logique sur la rue de l'Étang de faire la même chose. En haut de la rue Lagrange, alors, celle qui monte?
Non, non, en arrivant sur... Oui. Ah. Ouais, mais là, il y a une priorité à droite, et puis, voilà, après, priorité à droite. Oui, mais juste avant, vous avez... voilà, la rue de la Chenelle est dans l'autre sens. La rue qui monte sur la mairie est dans l'autre sens. Vous avez oublié une alors, une priorité à droite. Il y a une autre qu'il faut arrêter, c'est les gens qui viennent de la rue de la Gare et qui arrivent dans la rue de Paris. Priorité à droite pour ceux aussi, qui arrivent de l'étang. Je suis d'accord, mais quand, je veux dire, quand vous, logiquement, vous n'avez pas de priorité à droite à faire, puisque les gens vont tourner à droite forcément, après vous avez cédé le passage, ça devient un peu surprenant d'avoir une route qui vient vers vous et bon, en gros, priorité. On met décédé le passage, on met décédé le passage, on met une priorité à droite, quoi, partout. Voilà, ça partout. Vous dites, un peu d'homogénéité. D'être logique sur la conduite. Ben, après, la rue de Verdun, c'est plus loin, donc on peut se dire qu'on a effectivement cédé le passage à droite, mais avoir la rue, après, c'est ce que j'en pense, hein, ça n'engage que moi, avoir la rue Jean 23, où vous avez cédé le passage, et juste après, la rue de l'Étang, vous n'en avez pas, ça peut être un peu... Enfin, les gens ne comprennent pas, et puis vous ne cédez pas le passage, de toute façon. Rarement. C'est exact. Mais enfin, ça n'a jamais cartonné. Ok. C'est noté aussi. Ça. Oui. Ok. Okay. Oui. On a un site MyMairie là, pour. Là, vous dites qu'il y avait. Vous dites qu'il y avait un trou Clémenceau sur la voie. Au lieu d'attendre le conseil municipal, c'est peut-être pas mal de prendre en photo, d'aller sur MyMairie et puis de. Si vous allez vers la zone artisanale de Lens, vous ne pouvez pas le louper. Donc. Vous pouvez même tomber dedans. Non, il peut être dangereux. Partir, comme ça, celui qui est à boucher est dangereux et l'autre en train de se créer. Service technique est au courant et qu'il y a un incident. Okay. Bien, merci à toutes et tous. Bonne soirée, bon été, bonnes vacances, puisque je suppose que la plupart d'entre vous en prennent.